Auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Nous sommes envoyés ce soir, c'est la Méridienne. Euh, Jean-Louis Romegas derrière le micro, euh, bien accompagné ce soir, pour une émission de prospective, on peut le dire. Euh, quelque chose qui va nous emmener dans les, dans les 3, 4, 5 années à venir. Euh, puisque autour de moi, à ma gauche, j'ai le camarade Maurice Gendre. Bonsoir à tous. À ma droite, j'ai le camarade Roubatchev. Bonsoir à tous. Et en face de moi, euh, j'ai Michel Drac. Bonsoir à tous. Et nous recevons Michel ce soir. Alors déjà, Michel n'était pas venu euh, depuis un bout de temps sur Méridien Zéro. Et, euh, et nous, donc, nous sommes ravis de l'accueillir de nouveau. Et je suis ravi de venir. Euh, parce que c'est vrai qu'on on, on te lit, Michel, énormément. Mais euh, c'est vrai que, de fait, nous, on, 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 on t'entend moins. Euh, et nous te recevons pour un livre qui vient de sortir chez nos amis du Retour aux Sources. Euh, qui est, on peut le dire, un livre de prospective hein, autour du, du quinquennat euh, qui a maintenant bien commencé, euh, le quinquennat d'Emmanuel de, Macron, et donc euh, ouvrage qui s'appelle « Voir Macron huit scénarios pour un pour un pour un pour un, pour un quinquennat <laughs> ». Ne pas vieillir. Je vous le dis tout de suite, euh, amis auditeurs, et auditrices, ne pas vieillir, parce qu'en fait, tout de suite, euh, on le ressent au niveau des yeux. Bon, bref. Euh, alors, un livre de prospective, et euh, bah, Maurice et Rubatchov euh, sont là hein, pour, euh, pour te cuisiner, Michel, euh, à la fois parce que finalement tu dresses un, un bilan, tu essaies d'établir un diagnostic de la situation dans laquelle nous nous sommes, et, euh, et l'idée euh, pertinente d'essayer de proposer des scénarios qui recoupent par ailleurs une, une multitude de, de thématiques. Euh, il ne s'agit pas du tout, ni pour toi euh, dans ton livre, ni ce soir, de, de dire, bah voilà, il va se passer ça. Euh, personne, personne ne le sait. Euh, on le sait, hein, en politique, euh, la, la surprise est, est reine. Euh, par contre, l'idée est quand même de d'essayer de, de fournir des pistes, euh, avec cette idée que la prospective et le fait d'essayer de, de savoir à quoi s'attendre permet en effet d'entretenir la lutte et, et le combat. Voilà. Euh, toi, ce livre l'idée il il, du livre est venue quand? Est ce que c'est quelque chose que tu avais prévu ou tu avais imaginé avant même la victoire de, de Macron ou du président ou de la présidente qui aurait pu arriver au pouvoir euh, ce printemps dernier? Ou est ce que c'est l'évolution des choses là depuis maintenant le mois de mai, depuis le mois de juin, euh, qui à un moment te dit bah, voilà, il faut, il faut essayer d'anticiper ce qui peut arriver? En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur un projet euh, qui est d'essayer de construire, euh, je dirais, une méthode complète de modélisation, non pas à des fins de prévision, parce que je pense qu'en fait l'avenir est imprévisible par nature, donc il ne s'agit pas de prévoir, mais à des fins de, de mise en perspective des enjeux. Alors, au départ, euh, cette méthode, donc, et, que je continue à développer, euh, je pense qu'un jour elle débouchera sur un livre complet, cette méthode était surtout développée dans l'idée de réfléchir à des enjeux à plusieurs décennies et euh, avec des arborescences de scénarios beaucoup plus complexes que ce qui est testé là. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand Macron a été élu, je me suis dit, tiens, euh, ça ne serait pas inintéressant d'utiliser, euh, en quelque sorte, les, les, premiers, les premières bases que j'ai développées en termes de méthode pour mettre en perspective les enjeux du quinquennat de Macron. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la communication de Macron, qui est le cœur de son travail en réalité, hein, parce que, moi je dirais, il fait 90% de com', 9% euh, d'action réelles mais qui servent d'abord à des fins de communication, et 1% d'actions cachées, euh, cruciales, que de toute façon nous ne voyons pas. Bon. C'est comme ça que ça marche avec Macron. Euh, je me suis dit, en gros, mettre en lumière les vrais enjeux, ça serait un bon moyen de mettre les gens dans la posture qui permet, en gros, de ne pas, de ne pas tomber dans le piège de cette, de cette communication, même pas pour la réfuter, quoi. C'est-à-dire que quand on nous dit oui, euh, Emmanuel Macron, je ne sais pas, moi, est allé négocier avec Theresa May euh, un, un, un soi-disant nouveau traité concernant la gestion de l'immigration, dit traité de Sandhurst, là, qu'ils ont, qu ont publié récemment, enfin qu'ils ont officialisé récemment, il euh, n'y a rien à en dire. Je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, c'est rien, c'est les accords du Touquet légèrement modifiés. C'est même pas la peine de l'analyser. C'est même pas la peine de dire « Ouais, non, mais d'accord, blabla, blabla, blabla. C'est pas ça, les vraies questions. » Ok, maintenant, on va parler des vraies questions par rapport aux vrais enjeux. Voilà. Et le bouquin est fait pour, euh, pour montrer ça, pour essayer de, de montrer où sont les vraies questions et les vrais enjeux. Quoi. Ouais. Ok. Alors, les, les huit scénarios pour, euh, pour schématiser, enfin, pas pour schématiser, mais pour éclairer un peu les lecteurs, en fait, sont basés sur trois, trois incertitudes majeures que tu as, as mentionnées. Donc les trois incertitudes majeures sont celles-ci. « Vers un resserrement monétaire brutal », donc pour l'interrogation. « La zone euro va-t-elle exploser ?», point d'interrogation. « Vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2002 », point d'interrogation. Voilà, ça, c'est dans le chapitre intitulé « Incertitudes et scénarios ». Et en fait, à partir de ces trois incertitudes majeures, tu découles huit scénarios, en fait. Donc est-ce que tu pourrais, alors moi, je voudrais juste une précision, même si tu as un peu répondu juste avant préambule, pourquoi voir macron? ça veut dire qu'on ne le voit pas ou qu'il se cache en fait dans la lumière. ça veut dire en fait que pour moi macron, c'est un, ill un illusionniste. en fait, euh, bon, la, la technique en général des illusionnistes, des prestidigitateurs, c'est que euh, ils vont chercher à attirer le regard des gens vers un détail pour que les gens ne remarquent pas un autre détail. Euh, typiquement, le, le, quand vous voulez savoir où il faut regarder, euh, pour essayer de débiner, c'est-à-dire de, de comprendre le, un, tour de, un tour de magie, le truc c'est qu'il faut d'abord vous demander qu'est-ce que euh, le, le type essaye de faire en sorte que je regarde. Donc par exemple, si vous voyez que visiblement il cherche à attirer votre regard vers la gauche, ça veut dire qu'il faut regarder vers la droite. Bon. Et pour voir ça, il faut prendre du recul. Il faut essayer de le voir dans sa globalité et à partir de là décoder sa gestuelle. Et quand on comprend quels détails au sein de la globalité il cherche à mettre en avant, on peut commencer à, à se dire où est la zone, où sont les détails que justement il veut pas qu'on voit. Ben, par exemple, euh, Macron est jeune, en fait, si j'ose dire actuellement, non seulement comme, comme personne, mais aussi comme président, c'est-à-dire qu'il est là que depuis quelques mois. Moi, je suis assez frappé euh, du fait que sur le, les questions économiques, d'une manière générale, euh, Macron nous, nous parle beaucoup des... Comment dire, des, des, petits, des, petits, des petits éléments qu'il va déplacer d'un côté à un autre. Par exemple, en matière fiscale, euh, du genre euh, je vais un petit peu euh, augmenter la CSG, euh, un petit peu baisser la taxe d'habitation, ou le contraire, on va en discuter, etc. Bon. OK. Pourquoi cherche-t-il à nous focaliser sur ce genre de détails, à mon avis, c'est pour qu'on ne regarde pas ce qui va se passer, par exemple, euh, au niveau de la, des, des choix qui seront faits dans les deux ans, trois ans qui viennent, sur euh, l'évolution de la zone euro, sur ce qui va se passer au niveau monétaire. Il y a très peu de communication là-dessus, en fait. C'est-à-dire que Macron attire notre regard vers des aspects de la politique économique qui ne touchent pas à la question des rapports entre la France et ses partenaires européens et entre l'Eurolande et le reste de l'Europe. Ça, là-dessus, on a un grand blabla général, mais on n'a rien de concret, rien de précis. Je pense que s'il cherche comme ça à attirer notre regard sur des détails en termes de politique fiscale ou ce genre de choses, c'est pour qu'on ne voit pas. L'absence de, de substance sur la vraie question qui est relative à l'évolution de la zone euro. Voilà. C'est un exemple des techniques de communication de Macron pour moi. Ouais, moi, je pense que si... <laughs> ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, euh, c'est qu'il a compris que pour, pour calmer les gens, il suffisait de traiter l'écume des choses, en fait. Il y a une espèce de. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une... parmi une population qui est essentiellement lâche et qui a peur d'assumer sa liberté. Et malgré tout, il y, a, euh, il y aurait une envie. De... Les gens savent qu'il faudrait changer les choses, ils n'ont absolument pas le courage de voter ou de choisir un régime qui changerait réellement les choses. Donc il y a un jeu de dupes entre Macron. Ils disent qu'ils pensent qu'il faudrait changer. Les gens pensent qu'il faudrait changer l'éducation nationale en profondeur. Donc Macron leur dit je vais la changer en superficie et comme ça vous pourrez croire que je la change en profondeur et pour... Pour... les gens cherchent à sauver la face en fait. On est dans une démocratie, les gens devraient exercer leur liberté. ils n'osent pas, mais ils ont trouvé quelqu'un en face qui fait semblant de faire les choses importantes et qui leur donne euh, une presque une excuse, une excuse à leur l'acheter Macron c'est une excuse à leur l'acheter. C'est la meilleure définition que j'ai trouvé pour ce gars là quoi. Donc il traite l'écume des choses, voilà. Alors après sur l'éducation nationale, on va voir hein, parce que je pense que c'est peut-être la meilleure chose qu'il la... fait pour l'instant. Mais euh, oui et en même <coughs> temps je pense que potentiellement euh, c'est là où il peut euh, trébucher le plus fortement parce que euh, c'est vrai que pour l'instant sur les, les différentes réformes mises en œuvre, on pourra, on pourra y revenir avec, euh, avec Michel, mais vrai que pour l'instant c'est plutôt c'est plutôt passé. Parce que je pense qu'en effet le, le champ de ruine et ça de ce point de vue-là la, la, la première partie de l'ouvrage de ton ouvrage Michel qui est un diagnostic sur la situation politique actuelle euh, je, je ne vois pas qui peut ne pas être d'accord avec ce avec cette analyse euh, que ce soit au niveau des, des partis ou, ou sur l'ambiance générale. Euh, et ça explique quand même très largement le fait qu'un certain nombre de, de réformes qui laissaient perplexes les, les observateurs habituels euh, qu'on peut trouver euh, sur euh, les chaînes d'info de, de, continue ou autres, bah, finalement, elles sont passées. Elles sont passées. Euh, euh, je dirais pas comme des lettres à la poste, mais pas loin. Sur l'éducation nationale, euh, j'ai un autre point de vue parce que parce que je suis dedans, que euh, c'est un milieu que je connais peut-être un petit peu mieux. Et pour le coup. Euh, je ne suis pas certain que le printemps soit soit serein euh, on verra les premiers mouvements de grève ont là là on, est, on on est en février hein, on rentre dedans euh, les premiers mouvements de grève ont lieu euh, les élèves sont pas encore euh, dans le on va dire dans le, dans le bain euh, quand les, les gamins les lycéens vont s'y mettre à ce moment là on, on va voir comment ça tourne euh, et je pense que ça risque peut-être d'être plus difficile à manœuvrer que ce que ça n'a été sur le plan du, du monde du travail, avec, euh, avec, la loi du tra avec la loi travail, etc. On va voir. Toi, je... On verra. Ça là-dessus, c'est une incertitude. Il a quand même pas mal manœuvré hein, sur la, la loi travail. Là où Val se serait cassé les dents, est lui, vrai. il est passé euh, mmh. nickel. Il, il vous dit les gens voudraient entendre, je vais traiter l'immigration, et lui il traite l'immigration clandestine, c'est-à-dire il va traiter une. une petite partie d'une petite partie de l'immigration, sachant qu'il va y avoir quand même le flot qui va continuer. Et oui. puis même quand on regarde dans le détail sur ce point-là, l'immigration clandestine, on est, enfin de la coupe aux lèvres, il y a, il y a loin. Oui, voilà. tout à fait. Mais en ce sens là, Michel a raison de dire qu'on est... est dans l'illusion. Oui, hein. ouais. tout à fait. C'est ce qu'on appelle les mensonges plausibles. Voilà, ils mentent de manière plausible. Voilà, les gens peuvent faire semblant de croire et donc se donner une bonne raison de pas vraiment se révolter et de pas vraiment aller vers la politique qu'ils voudraient. C'est pour ça. Mm. Dans ce sens, pour moi, c'est un illusionniste. Oui, et puis le sketch, d'ailleurs, euh, bon, sur la question migratoire, est toujours le même. Hein. On a euh, une politique affichée faussement répressive, euh, faussement dure. Euh, et à côté, par contre, on a, comme d'habitude, alors l'accord des Asos, euh, des partis de gauche, euh, euh, de la droite humaniste. Comme elle s'autoproclame, qui hurle en disant que. qui faire, en disant que voilà, en gros c'est le retour des années 30 et que euh, la France ne remplit plus sa mission de, de terre d'asile et de patrie et qui, des droits et de Et la... qui de fait servent bien la soupe. Et évidemment, ça, ça euh... sert parfaitement. Bon, évidemment, l'exemple le plus caricatural c'est moi, c'est Yann Moi. Euh, avec son, son son documentaire sur Calais, euh, sa lettre, euh, sa philippique dérisoire là euh, dans l'IB, euh, adressée directement à Macron. Donc finalement le, le sketch est très bien rodé. Euh, bon ça c'est un grand classique. Hein. Euh, Sarkozy en avait bénéficié quand il était ministre de l'Intérieur, ce qui qu l'a d'ailleurs euh, beaucoup aidé en de, pour 2007. Euh, Val, ça a essayé de jouer aussi là-dessus à un moment. Donc on a sans arrêt en fait les mêmes les mêmes agents. Les mêmes groupes de pression, les mêmes assos, qui dès qu'ils entendent régulation, euh, restriction, contrôle, contrôle, contrôle des flux, en fait, se mettent sur leurs ergots et permettent à bon compte et à peu de frais. De donner, euh, soit au ministre de l'Intérieur du moment, ou au président de la République, ou au Premier ministre, peu importe, euh, d'avoir une, une posture, en fait, une position d'homme fort, euh, sûr de lui, et qui fait face à la déferlante migratoire. Mais je, je crois qu'il est idéal dans le rôle de, 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 grand or, de chef d'orchestre de la mort douce, quoi, le premier scénario. Oui, oui, voilà. Alors justement, Le scénario Michel... où les gens voudraient qu'on leur mente bien. Les gens aujourd'hui veulent qu'on leur mente bien. Bien, oui. Euh, avec, même avec aplomb, ouais. On leur mente bien avec aplomb. Mmh. Pour leur donner une excuse de ne rien faire, et Macron est l'homme qui qui ment aux gens comme il voudrait qu'on leur mente. C'est comme une femme qui veut qu'on lui mente bien. Le mmh. peuple français aujourd'hui est un peuple femelle qui veut qu'on lui mente bien. Et euh, si tu lui mens bien, eh, il dit OK, ça passe. Mais d'ailleurs, rappelle-toi, c'était déjà quelque chose alors sous des, su, enfin su, sur le plan communicationnel de façon différente, mais c'était des choses qu'on vivait déjà sous Sarkozy avec la fameuse phrase qu'on entendait de plein de ses électeurs, d un, d un nombre, d'un grand nombre de ses électeurs. Mais il fait des choses quand même. Il bouge. Voilà, donc c'est le, le bougisme ouais. chez ma, ma mère l'a beaucoup dit. Il ouais, n'y bon, a pas que ta maman, t'inquiète pas, hein. pas. Je pense que mes grands-parents, c'était la même chose, mes grands-parents maternels. Mais comme des millions d'autres. Hein. es en train de dire que ma mère, à l'âge de tes grands-parents <laughs> <laughs> Ma mère aussi était. Ah, <laughs> bah Sarkozy. Bah, bah, voilà, <laughs> donc c'était <laughs> des choses qu'on entendait systématiquement. Il fait des choses quand même, il bouge. Hein. Bon, bah, en fait, contre ça, on ne peut rien faire quasiment. On est, on est paralysé, on est tétanisé. Euh. Et j'ai l'impression que sans les erreurs de Sarkozy, Macron réussit très bien ça. Et là, on entre justement dans ton scénario, dans ton premier scénario, Michel, qui est celui de la mort douce. Donc, si tu veux expliciter et entrer un peu dans les détails sur ce, sur ce scénario que tu as appelé la mort douce, peut-être pour la construction des scénarios, on rappelle les paramètres peut-être que, oui, que Michel utilise. Vas-y, vas-y. Effectivement, ouais. il a fait huit scénarios sur base de resserrement monétaire brutal ou non. Explosion de la zone euro ou non, vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2022. Ouais, Mais bon, alors, les, trois, euh, les trois <coughs> les trois incertitudes majeures dont on voilà, parlait tout à l'heure, qui donnent huit scénarios et avec euh, huit, huit paramètres euh, essentiels euh, qui seront les paramètres décisifs quoi. Donc euh, comme tu disais Michel du plus matériel au plus spirituel, hein, c'est ça. L'écologie. Alors après j'ai mis j'ai pris mes notes et j'ai mis des petites flèches pour savoir si euh, est-ce qu'il y avait de l'espoir ou pas d'espoir dans le domaine. Alors euh, voilà, donc écologie, je me suis dit pas d'espérance, facteur aggravant. Il n'y a rien à attendre de l'écologie, tu me dis si j'ai raison. Si bah, euh, disons que euh, là, là, en fait, pour moi, bon, à l'horizon 2022, normalement, l'écologie, il va pas se passer grand-chose théoriquement, parce que c'est un domaine où les choses bougent très lentement. Euh, mais effectivement, à plus long terme, euh, si on continue comme ça... Euh, on va finir par payer nos conneries, hein, c'est évident. Euh, on a, on a une une augmentation. On peut, on peut discuter à, à nos hein, de la question du réchauffement. Euh, Est-ce qu'il est lié à l'activité humaine Est-ce qu'il n'est pas lié à l'activité humaine Comment il se présente, etc. Ça, j'en sais rien là-dessus, je dis rien. Mais simplement, je fais un constat qui est que on a un accroissement des risques écologiques qui est évident. cest y a de plus en plus d'accidents climatiques et surtout, ils ont potentiellement de plus en plus de conséquences. Mmh. Parce qu'ils peuvent se combiner avec des fragilités, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai, ce que j'ai parlé, de, ça peut paraître curieux quand on réfléchit à ce que peut être le quinquennat de Macron de parler d'écologie comme ça, des risques On dit « ouais bon, la probabilité pour qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais on ne sait jamais. Je veux dire, hein. ça, ça peut arriver. C'est-à-dire que avant, quand il y avait un tsunami au Japon, en Europe, tout le monde s'en foutait. Mais euh, on imagine, on n'en sait rien. Imaginons un deuxième tsunami de la même taille de celui de 2011 frappant Fukushima dans l'état où est aujourd'hui Fukushima. Même ici, ça on va en entendre parler à mon avis. Et donc on ne sait jamais. On sait bah, jamais. À l'appui, Michel, de ce que tu dis, c'est tout simplement là ce qui nous arrive euh, depuis janvier, à savoir cette crue qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a lieu quand même en hiver, qui fait que les sols sont complètement gorgés les nappes phréatiques sont à plat j'entendais le, le directeur de, du bassin en fait le, le, le directeur de, de l'agence euh, qui s'occupe de, de tous ces lacs et retenues d'eau qui ont été créés en amont de Paris pour essayer d'éviter la, la crue centenale euh, là il le disait hein, on est à 93% de remplissage 93% c'est à dire qu'on est à 7% d'un remplissage qui est euh, total et qui fait qu'à un moment ces lacs ne servent plus en fait ne peuvent plus faire office la crue de 2016 est arrivée au mois de juin. Nous sommes début février. Qu'est-ce qui va se passer dans les trois ou quatre mois qui viennent Personne n'en sait rien de ce point de vue-là. Or, tout le monde sait par contre qu'une crue centenale, du point de vue économique, ça nous c'est la cata et ça nous plombe quand même pour quelques années. Et donc ça plombe en effet le euh, quinquennat euh, d'Emmanuel Macron pour quelques années aussi. Et donc en effet, ton point de vue, moi, il, il me semble archi légitime tu vois, de, de ce point de vue-là. Il y a, y a même pas, enfin. Ce qui peut être étonnant, c'est que certaines personnes écartent ça de, de leur champ de vision sur les trois 80 ans à venir on est on est maintenant dans une situation où en effet tout peut arriver alors en effet tu as raison que ce soit euh, je sais que certains de nos auditeurs ou certains de nos amis euh, hurlent contre le réchauffagisme euh, moi personnellement bah, je suis désolé je suis euh, de l'école euh... giec <laughs> je suis du courant euh, de l'école giec, euh, GIEC peut-être j'en sais rien mais je pense qu'en effet une corrélation entre les activités industrielles humaines et euh, un certain nombre d'impact euh, au niveau écologique et donc je pense qu'en effet on est rentré dans une période où tout peut arriver sur ce plan là et de, donc, de, de toute façon, il y a une chose voilà. est certaine, c'est que le réchauffement climatique soit anthropique ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là, même les ceux qui sont opposés à cette grille de lecture du réchauffement climatique anthropique sont pratiquement tous d'accord pour dire qu'il y a un dérèglement climatique. Et euh, de toute façon, même sans parler euh, du réchauffement climatique, anthropique ou non, euh, de toute façon, les activités humaines ont euh, des conséquences directes sur nos vies et nos santé. Donc, même sans rentrer dans la, la, la théorie ou non, enfin l'acceptation ou non de la thèse réchauffiste ou réchauffagiste, comme dirait notre ami Stadère, euh, de toute façon, le, le fait de saloper euh, sans arrêt notre planète, de toute façon, on aura des conséquences. Enfin, a déjà des conséquences en fait immédiates. Oui, on est bien d'accord. Le ouais. délire ouais. prométhéen euh, se paye un jour. Donc Faut... voilà. Grosse inondation de la Seine. Hop, on noie les lignes A, les lignes 1, les lignes bah... B et la ligne C et on perd trois points de croissance. Ah ben bah, <laughs> la, 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 la ligne C. Y a, Il y a cette de... ouais. stations qui sont cette fermées. stations qui sont et fermées vont, hein. et qui vont voilà. et qui vont l'être voilà. pour un bout de temps. Hein. Mmh. Ouais. Donc ensuite, bah, la démographie. Pareil, hein, j'ai pas vu beaucoup de, de, de raisons d'espérer. Bon, — oh, bon, Explosion démographique euh, en Afrique, euh, euh, creux démographique en Europe et mélange des deux, voilà, sur le sol européen. Donc euh, catastrophe en soi en Afrique et catastrophe sociale et identitaire euh, en Europe. En gros, euh, rien à en attendre. Peut-être un déclencheur d'une crise salvatrice. Là, on verra si on est tous d'accord ou pas sur... Euh... Sur, ce, sur le fait qu'effectivement un problème identitaire puisse aboutir sur quelque chose de, de positif. Mais enfin bon, en soi, ça promet des lendemains qui, qui déchantent euh, radicalement, quoi, quand même, des, des lendemains un ouais, peu violents. Je crois qu'il y, y a une information qui est passée relativement inaperçue ces dernières années et qui est, à mon avis, très importante. Il y a une dizaine d'années, les gens qui euh, s'embêtent encore à lire un petit peu euh, les, les démographes, euh, à étudier ce genre de questions. On poussait un gros ouf de soulagement euh, avec quelqu'un comme Emmanuel Todd, par exemple, en constatant que euh, l'indice de fécondité la transition, la transition démographique commençait bien en Afrique du Nord. Et puis, et puis, et puis, grâce euh, aux beautés de l'islam euh, ultra-rétrograde wahhabite qui n'existait pas, il y a encore 30 ou 40 ans en Afrique du Nord et qui l'a largement submergé aujourd'hui. <laughs> grâce à une dynamique dont j'ai du mal à comprendre tous les ressorts, parce que je ne vis pas là-bas, je connais pas bien ces gens-là, apparemment l'indice de fécondité est reparti à la hausse. Oui, c'est le, le, le même cas au Moyen-Orient, enfin, Moyen euh, donc euh, Liban, Égypte, etc. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est une, une catastrophe, parce que autant on aurait pu imaginer que l'Europe euh, utilise sa, sa périphérie sud, <laughs> Comme, une, tampon. comme tampon stabilisable et stabilisateur avec une démographie euh, qui se calme, autant là. Euh, c'était d'ailleurs l'espoir de Laurent Ouzon, par exemple. C'était l'espoir de quelqu'un comme Laurent Ozon, mais euh, là, je. Moi, qui voulait d'ailleurs établir des ponts, des passerelles euh, avec les nationalistes du Maghreb. Oui, bah c'était le... son projet, oui. Bah la, la remigration telle que je l'ai comprise au départ chez Ozon, c'est ça que ça voulait dire, mmh. ça consistait pas à beugler comme des tarés euh, enfin bon, non, non, non je vais rien dire parce que si, si je me lâche ça va ça, ça va pas être bon. Pour, vrai que euh, Les partis nationaux auraient pu euh, discuter avec les partis basses ou des choses comme ça il euh, y a trente ans encore, quoi, ouais. avant le, le délire néo conservateur. Quoi avant ouais. qu'ils soient tous détruits euh, bah, l'un à la suite de l'autre. Pour avoir reçu Laurent Ozon, oui, c est, c est, ça, ça appuie ce que disait Michel. Euh, à, deux émissions d'ailleurs. Tout à fait, deux émissions. L'idée, c'était de dire, le Maghreb, c'est 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Ces 80 millions peuvent être facilement submergés, en effet, par l'Afrique euh, subsaharienne. subsaharienne, qui d'ores et déjà, de toute façon, est à un milliard. Et que donc, ces gens ont en effet un, un intérêt objectif à travailler avec nous plutôt qu'à Ziouté euh, euh, et à Lornier du côté de, de l'Afrique subsaharienne, ça c'est clair. Euh, après, euh, je pense qu'on a des, des conditions. Parce que pratiquement, je suis d'accord avec toi, Michel. Euh, c'est vrai que c'est un désastre. Enfin, ça, ça oblitère un certain nombre de choses qu'on pouvait euh, sur lesquelles on pouvait éventuellement s'appuyer de façon positive pour l'avenir. Après, moi, du point de vue intellectuel, alors je sais, c'est un, un plan purement théorique. J'y vois un aspect positif qui est un moment la fin de ces grands modèles. De ces, de ces modélisations euh, universalistes. Parce qu'il faut revenir à, à un fait tout simple, hein, c'est que la transition démographique, le modèle de la transition démographique, premièrement, n'est qu'un modèle. Et deuxièmement, il a été construit par les démographes dans les années 70, 70 à partir du modèle européen. Euh, tel qu'il s'est développé. C'était Sauvy, non, je crois. Tu dis C'était Oui, entre hein, autres, oui, en c'était ouais, Alfred hein. Sauvy. Euh, et d'ailleurs, un modèle européen partiel, puisque par exemple, la France ne rentre pas dans ce modèle-là, hein, le, le modèle de la transition française n'est pas comparable au, au modèle britannique. Euh, il est bien plus précoce, il est bien plus régulier que ce qui que, que ce qui a été le cas en Angleterre ou même en Allemagne. Mais bon, ils en ont construit un modèle qui se voulait universel. Tout le monde l'attendait. Euh, tout le monde l'attendait en Asie. Ah bah ben, voyez, regardez, en Asie, ça marche. Oui, enfin, en, en Asie, ça marche parce que l'État chinois a 3000 ans de légitimité derrière lui et un moment il a pu rattraper à marche forcée. Euh, le, le modèle européen, mais sans rentrer d'ailleurs dans le modèle européen, c'est il a construit son modèle à lui et eh ben ça marche pas, ça ne marche pas euh, ni en Afrique ni en effet euh, dans le monde arabe et euh, bah, c'est peut-être que le modèle de la transition démographique euh, n'en est pas un. C'est qu'à un moment la modélisation euh, comme à un moment les droits de l'homme comme plein de choses, on peut essayer en effet de les envisager. Ne sont pas exportables. Sur, voilà sur un plan purement universaliste, sauf qu'ils ont une origine qui est purement européenne et, et à un moment ça bute contre la réalité quoi. Donc, euh, c'est vrai je suis d'accord avec toi. Sur le plan pratique, bah, c'est pas très positif, c'est pas très optimiste. Il n'y a pas de raison que ça nous rende optimiste. Par contre, sur le plan intellectuel, je dois avouer que je ne suis pas mécontent. Ouais, enfin on s'inquiète un peu quand même. <laughs> ça, ça reste à inquiétant. <laughs> Bien sûr, je suis d'accord. Le plan ne vient pas compenser. Satisfaction intellectuelle, quand on dit Ah ouais finalement c'est <laughs> important de mourir heureux on va mourir euh, on n'est pas tout à fait tort bon ben bah, c'est bon quand on aura 400 millions de subsahariens qui vont submerger la France euh, en deux mois on dira bon ok c'est un peu embêtant mais mais en même temps chez chez méridien zéro on le savait il <laughs> y a des mecs qui tapent à la porte là je sais pas ce que c'est <laughs> ok alors le, le bah, là, on, coup, on est dans le bunker en ouais, donc, ouais. Euh... donc la technologie euh... alors, la technologie c'est mitigé parce que bon tu tu présentes ça comme quelque chose qui qui va porter le chômage, hein, Uber, etc., etc. Un facteur de chômage, tu dis, quoi c'est 1% de croissance, ça crée. Euh, quand il y a 5% de croissance, c'est ça, je ne sais plus, là, en gros. Oh, bah, C'est-à-dire que, bon le... Dans, le... dans un des scénarios, je m'amuse hein, dans, mes, dans mes scénarios, donc dans un des scénarios, j'imagine un... un économiste tirant le bilan de ce qui va se passer dans les années qui viennent quand il y aura probablement un retournement conjoncturel parce que pour des raisons qui tiennent au fait qu'une sinusoïde ben, ça monte et ça descend. Là on est en, on est en phase de croissance mais on va bientôt basculer je pense un retournement conjoncturel. Et en gros le, le gars en question dit ben, maintenant on vit dans un système où quand le PIB fait plus 1% comme la croissance est tirée en grande partie euh, par euh, les nouvelles technologies et eh ben le chômage euh, augmente de, de plus 1%, ou au mieux c'est stabilisé, ou, ou, au pire on va réussir pour, pour 1% de croissance à avoir 0,1% d'emplois en plus, au mieux. Je ne sais plus exactement comment je présente la chose, mais enfin c'est l'idée générale. Et puis, par contre, quand on se prend une récession, comme la récession tombe massivement sur les activités de main-d'œuvre, ben là tout de suite, on se prend du chômage en plus. C'est-à-dire que, au delà de ce qu'on nous raconte et euh, des, des chiffres truqués très drôles d'ailleurs qui, qui circulent dans tous les sens et qui permettent à des, des petits plaisantins de dire que les états-unis sont en plein emploi euh, dans la réalité euh, la quantité d'emplois euh, je dirais euh, vraiment bien correctement payés réels qui me permettent de vivre. Quoi. voilà ne, ne cesse de diminuer et ne cessera de diminuer dans les années qui viennent c'est évident. Quoi. Ouais. Et du coup, bah moi je suis pas mal tes vidéos et dernièrement tu disais quand même que le, le, le salut viendra peut-être d'un saut technologique ou de quelque chose comme ça. Et dans ton bouquin, t'en parles pas beaucoup. Tu, Parce que c'est pour, pour après, je pense. Ouais, tu, tu donnes peu de place à la technologie. C'est ça ah, qui si m'avait un peu étonné de ah te ouais, connaître. Ouais, mais à 5 ans si tu veux. À 5 ans, ça, on parle de Macron. Là, ouais, si, si on parlait à 15, 20 ou 30 ans, là c'est sûr que le, le paramètre technologique devient décisif. Mmh. Mais à cinq ans, qu'est-ce que ça peut faire euh, ouais, à non. part supprimer des emplois dans un premier ouais. temps Pas grand-chose. Hein. Au niveau politique. D'ailleurs, je crois que le ratio, c'est pour un emploi créé, trois sont détruits. Ouais, à peu ouais. près, ouais. Sur les nouvelles technologies, ouais, ça, ça. en général, c'est ouais. ce qui se passe. Ouais, c'est pas ouais. encore digéré. Le... Puis moi, personnellement, c'est vrai que c'est là, là où je, je me retrouverai en désaccord avec toi, Michel. C'est que Enfin le saut technologique, personnellement, euh, je ne je ne le vois pas. Je n'y crois, crois pas. Là, on est dans, dans l'ordre des croyances, parce qu'à un moment, le en effet, comme tu le dis, c'est un horizon qui est, qui est infiniment plus lointain. Euh, je pense qu'en effet, pour l'instant, on s'en est toujours sorti par le haut euh là je, sur le 21e siècle et sur les euh, 20 20 ans à venir, je ne vois pas de sortie par le haut. Alors, c'est pas l'objet de l'émission hein. On est sur le quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Bah, disons que euh, les... je pense que ça vaudra le coup qu'on qu'on en reparle une autre fois. Hein. <laughs> disons que la baisse du QI n'aidera pas à faire le saut technologique. Hein <laughs> non, c'est sûr. <laughs> le ramollissement du cerveau euh, des jeunes générations va être compliqué. Donc euh, je je ne l'ai mis ni, ni positif ni négatif, mais à l'échelle du macronisme, euh, je l'ai quand même mis une petite flèche en bas. Il n'y ah, a ah, pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. L'économie, c'est le plus gros pavé. Ah, c'est ton, ton dada, je crois. Bah, c'est surtout, je crois que c'est vraiment le truc euh, en fait, le plus structurant. Hein. Ouais. J'ai mis c'est la mère des batailles, en fait, l'économie. La, la mère des batailles, pour moi, d'après ce que j'ai compris dans le livre, c'est euh, la lutte qui va y avoir, la lutte de pouvoir entre ceux qui tiennent aujourd'hui la banque, la monnaie, etc., et le reste du monde. Je crois, oui. Bah là, oui, je pense que là, euh, là, là, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde commence à se dédollariser, hein. oui. doucement. On on Routes le... de la soie, également du dollar. Ça, voilà, ça se, fait, ça se voit encore pas trop, parce que bon... Mais, Il y déjà euh, un pre... route de la soie, elle commence à se voir. Hein. Il y avait déjà un premier ouais. coin qui avait été enfoncé avec le... Oh, je crois que ça remonte à 2-3 ans, euh, le fameux contrat gazier russo-chinois de 400 milliards de dollars. Qui, je crois, était passé en yuan et en rouble, si je ne me trompe pas. Ouais, ben, qui... L'intégralité de l'opération n'était pas passée en dollars. Bah, écoute, c'est facile. Les Chinois peuvent payer leur gaz russe en yuan. Mmh. Donc la Russie vient de doubler l'Arabie Saoudite comme fournisseur comme de fournisseur... gaz à la Chine. Mmh. Et les Saoudiens ont tenté de sauver leur peau en, en, a... en accueillant le Donald Trump, euh... qui lui-même a des à son propre agenda et en essayant de, de, de s'adosser à lui tout en tout en probablement euh, par ailleurs d'essayer essayant de discuter avec les Russes pour euh, voilà mais c'est sont ces grands mouvements là qui sont en cours hein, c'est c'est là c'est là que peuvent se produire les basculements euh, qui changent tout je pense y compris les frictions d'ailleurs ouais. et si on regarde les scénarios si tu regardes les trois premiers scénarios c'est le pouvoir oligarchique la banque la monnaie tient arrive à tenir à peu près au prix éventuellement d'une dictature entre la Morlante et la dictature le pouvoir arrive à tenir la monnaie plus ou moins mais de toute façon il n'y a aucun scénario où il se passe quoi que ce soit de changement radical avant que la monnaie explose avant que l'euro pète C'est ce que je crois c'est ce que je crois tant que le le, le grand préalable pour toi c'est ça quoi dans tous les ouais. scénarios finalement ouais, je pense, pour moi pour moi tant que <laughs> Bon, si on met à part l'accident imprévisible par nature... Celui que tu as appelé Troisième Guerre mondiale. Voilà, D'ailleurs, sur lequel on... tu ne t'étends pas. Hein, tu ouais, fais une bah, page euh, et demie, de pages. Il bah, n'y a plus personne, donc c'est oui, pas voilà. la peine. Voilà. Bah, c'est euh... Fritz, hein, pour ceux qui ont vu le right. docu-fiction. Un euh... vachement... film qui est vachement... Ah oui, ça, c'est à voir. C'est à BBC, je crois, qu'il y avait... Mmh. Qui avait produit ouais. à l'époque. Mais, mais voilà, c'est ça. On, on sent que c'est le, le préalable à tout. Et soit on tombera en dictature entre mort lente, euh, mascarade électorale et, et euh, pouvoir ultra autoritaire ça c'est le système qui, qui continue à tenir sous une forme qui maîtrise à peu près soit il pète et derrière les scénarios sont ouverts pour euh, soit un chaos avec des facteurs aggravants soit euh, effectivement euh, peut-être une petite reprise en main démocratique derrière enfin ou, ou autre chose quoi mais c'est c'est ouais, ce que c'est en fait c'est ta clé de voûte ouais je pense je pense on va donner quand même le titre <coughs> des huit scénarios euh, des huit scénarii pardon ouais. Et après, on rentrera dans le détail. Ah, Donc, ah, scénario ah. 1, la mort douce. Scénario 2, euro 2.0. Scénario 3, la grande spoliation. Scénario 4, le printemps italien. Le seul scénario optimiste de la liste. Mmh. Ouais. Euh, scénario 5, mourir pour Riga. Scénario 6, le dérapage incontrôlé. Scénario 7, la découverte de l'Europe. Et scénario 8, la troisième guerre mondiale. Alors, après, il y avait encore des, des critères tu sais, d'analyse de... Mais, des critères de lecture mmh. au-delà des scénarios, mais... Enfin, avant quoi. Et après, tu avais la géopolitique, c'est la baisse des puissances étatiques moyennes, quoi, des sphères d'influence. On a l'impression que la France disparaît plus ou moins dedans. En tant que puissance, elle se rattache où elle peut, mais elle disparaît. C'est un peu un monde à la Bilal, je crois, avec des des, grandes, des, des réseaux, des grandes, des grandes, sociétés, des, des sphères d'influence, mais pas, les, pas tous les états forts qu'on connaît. Euh, mmh, à un... Il y a des moments, ça paraît. Et de ça me fait presque penser. Alors bon, sauf que c'est pas les grandes compagnies comme dans. Ça me rappelle Rollerball, un peu. Ouais, ça fait penser au monde à la Bilal, mm. des mafias euh, transnationales, mm. des États encore un peu subsistants à droite à gauche. Euh. Bah ouais. enfin, là, là, je pense que ce n'est pas, pas de la prospective, c'est pratiquement du constat. Hein, oui, je veux dire, où on y est. Hein, des grandes sens. sphères d'influence avec des, des États euh, fantoches, un peu comme des, des colonies comme la France ou, ou l'Italie. Ouais, on est d'accord là-dessus. Oui. Donc, encore une fois, pas de raison d'espérer. Et ensuite, la politique. Alors, la politique. Dans, sur le quinquennat Macron, toi, tu, tu fais le pari du populisme. Populisme, stratégie de l'attention augmentée. Réaction anti-populiste, d'ailleurs, tu appelles euh, ça plutôt. Enfin, c'est ce un domaine où je suis assez mauvais, faut le savoir. Il faut on le faut, savoir. Faut, faut, ouais, <laughs> ouais, bon, ça va, ça va. Hein, bon. bon. Il <laughs> euh, faut, faut préciser un truc, d'ailleurs, pour les, pour les auditeurs, soyons, soyons honnêtes, hein, c'est une, une émission de potes. Hein. On est, on, est, on est tous potes et on se connaît tous très bien autour de la table hein. donc bon. Euh, le Roubachev est très bon sur la politique intérieure française. Ça je l'ai constaté, il m'a souvent dit des trucs en me disant des trucs moi, que moi je j'arrive pas à croire du genre mais si les français vont voter Sarkozy. Je dis, non, pas possible. Il dit mais si mais si les français vont voter Macron. Je dis, oh, mais si mais si. À chaque fois, en fait, il, il est bien meilleur que moi là-dessus, donc je laisse parler. Ouais, mais, te mais te la dire. différence, c'est que je fréquente encore les machines à café au bureau pour écouter ce qui se dit et je mange encore à la cantine. Donc ah, effectivement, et c'est le meilleur moyen, c'est un, un bon baromètre. Bah, moi euh... aussi, mais c'est dans un petit milieu très fermé qui va toujours la même, façon, la même chose. Allez. Ouais, bah moi, ouais. c'est peut-être un milieu un peu macroniste, euh, tu vois, de cadre d'entreprise, machin. Donc effectivement, là, c'est. Euh... Et les gens ne sont pas du tout euh, atterrés hein, du quinquennat Macron. Ça, pour l'instant, ils il trouvent qu'il présente bien, euh, qu'il a un certain rayonnement à l'étranger. Euh, ils sont assez fiers. C'est un, un espèce de De Gaulle en plus jeune. Hein, je ne je plaisante pas. Hein, c'est à peine. Ah, mais de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, euh, Michel l'a dit en, en début d'émission, c'est vrai qu'il a, il a compris un certain nombre de choses. Euh, des choses qui d'ailleurs n'ont rien de magique. C'est des choses qui ont été affirmées en effet par euh, Napoléon, qui ont été affirmées euh, par De Gaulle, qui je pense. Euh, Chacun à leur mesure avait saisi un moment un certain nombre de choses dont ont besoin le, dont a besoin le, le peuple français dans ce qui reste hein. donc on va mettre de côté euh, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre euh, sont un petit peu euh, des branches rapportées hein. bon voilà mais sur le peuple français euh, profond on a en effet cette, euh, cette inclinaison pour euh, le... oui une représentation à l'étranger pour euh, une certaine gloire, hein, Napoléon le disait, euh, les, les Français ont besoin de gloire. Donc euh, Macron a compris ça, il joue cette corde-là, ça marche. Et ça marche d'autant plus qu'en effet, il parle à un public qui est déjà vieillissant, qui a besoin de ça, euh, qui s'y reconnaît. Oui, mais je pense qu'il a compris quelque chose de, toute façon de très simple et il a eu l'intelligence de le comprendre très vite et, et de tenter d'appliquer ce qu'il avait compris, c'est-à-dire ne surtout pas faire ce que ses deux prédécesseurs ont fait. C'est-à-dire pas de euh, et idiots de Bolloré dans les 48 heures qui suivent ton élection. Euh, et puis bon, bah alors pour euh, Hollande la liste là aussi est interminable, donc euh, éviter en gros de faire tout ce que Hollande a fait. On, on, dans ce qui relève en fait, euh, bon, de la dignité de la fonction. Non, on tout va à dire. fait. Voilà. Comment dans habiter la fonction La grandeur. Les Français aiment bien la grandeur. Voilà, voilà la grandeur. Alors évidemment c'est un, un simulacre de grandeur. Ouais. C'est un simulacre de grandeur, mais il est assez bon dans ce simulacre. Ouais. Euh, donc, il sauve les apparences et il les sauve bien. Ouais, et cool. il a compris que, surtout, d'ailleurs, même apparemment Sarkozy l'aurait déclaré, il a fait Ce type-là a toutes mes qualités sans mes défauts. Ouais. C'est vrai qu'Hollande, les Français sont nostalgiques d'Austerlitz. Et Hollande, il avait fait la bataille de Leonarda quand même. C'était ouais. quand même assez Par BFM TV interposé. Par BFM TV, quoi. Enfin, ouais. Donc, alors, stratégie de l'attention, ah, ok. Tu, tu, tu permets, je vais quand même raconter l'anecdote parce qu'elle est tellement drôle. Non, non. Ouais, non, il faut que je raconte aux auditeurs parce que tout le monde a le droit de s'amuser. Figurez-vous qu'en 2013, j'ai dû subir une opération parce que j'ai eu un petit un petit pépin de santé, donc j'ai dû aller à l'hôpital et subir une opération. Donc je subis l'opération, donc je suis dans mon lit, je me réveille, tout va bien. Il y a l'infirmière qui me dit, bon alors ça va, ça s'est bien passé, hein, mais simplement vous restez couché aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez regarder la télévision, mais vous, surtout, vous ne vous pas. Ok, donc je suis dans mon lit et là j'allume la télé et le hasard a voulu que je tombe pile au moment où j'allume la télé sur le discours de Hollande à propos de Leonardo et je vous jure que j'ai cru mais j'ai cru sincèrement que j'avais une hallucination et qu'il y avait un problème après l'opération. Je, je me suis dit mais j'ai basculé dans la quatrième dimension je suis en train de voir le président de la République merde, française. Merde, c'est l'anesthésie ouais. qui faut Petit encore effet <laughs> à une gamine kosovar de merde. Non, mais ouais. il, a quand même, il a quand même offert la paix des braves à la famille Dibrani au nom de la France, quand même. <laughs> c'était fort. Hein. Bon, deux ans plus tard, et tu le voyais au chevet de Théo, de, de Théo, Théo. Ah de Théo. Ouais. Théo, dont on vient de découvrir. Et là, tu avais hein. la même hallucination, ouais. enfin dont on vient de découvrir, dont on se doutait plus que fortement. D'ailleurs. Dans cette, Dans cette info, là, juste une feuille d'incise, euh, on a juste vu donc, la vidéo récupérée par Europe 1, mais on n'a pas expliqué surtout pourquoi il avait ce souci. Et là, c'est encore plus drôle. Enfin, y a des... ouais. Alors, si les auditeurs ça les amuse je, leur amuse, je les conseille de faire une petite recherche en tapant Théo Mule, Théo euh, Balance, euh... alors c'est pas Balance ton porc là. Ouais. C'est Théo, balance ou Poucave dans une cité et puis euh, sanctions. Et puis là, ils verront en fait les véritables raisons sûrement du problème. Donc effectivement, bon, alors politique, populiste, stratégie de l'attention, euh, le truc actuel exacerbé, etc. <coughs> Donc encore une petite flèche en bas. Hein, ça, toujours peu peu de raisons d'espérer, voire aucune. Et enfin culture, le, le truc le plus marrant. Alors ça, c'est Baisse de QI, donc tu invoques tout un tas de, de raisons plus ou moins politiquement correctes. Perturbateur endocrinien, perturbateur arabo-africain. <laughs> voilà, perturbateur, l'éducation nationale, hein, qui, nationale. Qui, qui malgré tous ses efforts qu'on salue ici, euh, et malgré la politique ambitieuse de Macron, on va avoir quand même du chemin à rattraper. Donc, euh, euh, baisse de QI, inversion des valeurs, pulsion de mort, crise de sens, euh, fuite en avant dans la dissolution, etc. 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 donc, euh, culture, émiettement, dissolution, baisse de QI, euh, voilà. En fait, une foule d'abrutis, quoi. <rire> voilà. <rire> Mais je me demande, en fait, s'il combi... pourquoi, pourquoi tu vois autre chose, toi enfin, je, sais pas, ouais. bah, je vois pas grand-chose d'autre. Si, ah, un me... fleuve d'abrutis. Je me demande, finalement, si la combinaison coup, de, de ce que tu viens de décrire, là, euh, bah, finalement, on n'a pas eu un avant-goût si c'était pas le... si c'était pas le prolégomène, euh, prolégomène Saint-Martin. Sans l'élément monétaire, parce que là, on n'a pas eu besoin de l'élément monétaire. Il y a eu un cataclysme climatique... Dévastateur, un État qui s'efface. Si je me souviens bien, je crois que c'était la sous-préfète qui s'était barrée, qui s'était enfuie. Hein. Je crois que c'était ça. Euh, rivalité ethnique qui se transforme en bolossage anti-blanc euh, de première bourre, ouais. avec euh, des scènes de pillage, un État qui s'efface, une police qui ne peut pas intervenir, euh, et, et la et, rumeur qui reste quatre pots de Nutella quelque, euh, quelque part ou là, Saint-Martin. Et des Pokémon. Et là... Ah oui, pour ceux qui ont loupé <laughs> ça, alors là, je vous conseille un grand moment quand même, les émeutes du Nutella, pour ceux qui ont loupé ça, alors, je crois que c'était dans les intermarchés, il y avait une promotion. Et donc, on voit alors des Moukers voilés, des mamas africaines et des Cassos gaulois, donc qui se précipitent pour récupérer des pots de Nutella, je n'exagère pas, hein, pour ceux qui ont loupé cet épisode alors, extraordinaire. Je pense il n'y a pas grand monde qui a loupé, parce qu'en fait, la répression des fraudes a, a ouvert une enquête sur... Ah. Euh sur l'origine de cette promotion pour savoir si sans rire hein, pour savoir si c'était des soldes ou si c'était une promotion abusive parce que alors dans quel cas <laughs> eh oui si 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 des soldes de Nutella alors qu'est-ce que ça peut être des soldes de Nutella c'est si jamais Intermarché avait déjà vendu son stock et que, ils en ah avaient racheté leur... un... la collection, <laughs> la collection de printemps, peut-être, <laughs> oui, <qui voilà>. <laughs> Ils en avaient racheté ensuite, et que donc, euh, ces Nutella leur restant un petit peu sur les bretelles, en gros, ils étaient en effet autorisés à le vendre avec 70% de <laughs> réduction. Ou alors, si c'était une promotion déguisée, alors là, c'était intolérable. Parce tôtérable. que si c'était, si c'était des à soldes, la suite encore mieux en fait. Ah bah oui, bien sûr. Si c'était des soldes, il y a pas de souci. Ah ouais. Si c'était une, 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 une promotion déguisée, c'était intolérable. Et donc la répression des fraudes est sur le dos. Alors, vous rigolez, mais avec quand même, ce que j'imagine, la suite. Hein, bien bien sûr, sûr, avec des conséquences financières qui sont quand même potentiellement hein, une amende de 75 000 euros pour le directeur, si c'est le directeur de l'Intermarché de, de qui a pris la décision ouais. tout seul, ou plus de 300 000 euros d'amende sur le magasin, si c'est le magasin et donc la chaîne. Qui a pris la décision. Donc, euh, on rigole pas. On ne rigole pas. Mais ça fait un peu. Ouais, c'est euh, comme si tu avais organisé un truc genre on achève bien les chevaux, quoi. Genre, tu, tu jettes les gens sur des palettes de Nutella et tu regardes les survivants, quoi. Ah c'est un, un néo-darwinisme. Ouais, Mais en ça. plus, c'est même pas une émute de la faim. C'était pas de la viande. c'est c'est du, du Nutella, tâtes. quoi. C'est pas une tartiner. On n'a jamais vu ça pour que pour certains, c'est de la faim. Bah, c'est de la pâte à tartiner bourrée d'huile de palme. Je savais il y a pas longtemps, je lisais, je crois que c'est dans le bouquin hein. de Thomson ou dans un autre, je sais plus lequel. Un verbatim. Dans les revenants Dans, dans, dans un des bouquins sur les, les Daech et les, les, les Daéchiens, des, des verbatim de discussion par Facebook entre des candidats euh, à l'État islamique et des recruteurs. Et je plaisante pas, il y, y avait un des verbatim qui était extraordinaire où le mec disait en gros Oh, je suis prêt à aller faire le djihad, mais je voudrais d'abord savoir s'il y a du Nutella en Syrie. C'est pas une blague, hein. je veux dire. Oh bah, non, il aurait pu être au procès euh, Jawad. Jawad <laughs> 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 ouais, Donc en urgence, dans le cargo, t'enlèves une palette de, de, de AK-47 et tu mets une palette de Nutella, quoi. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, mais c'est fou. Donc, euh, et donc, alors Du coup, il y a combien de, de critères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est ça. Hein et en fait, c'est la cata partout, quoi. En fait, c'est la cata partout. Donc, non, en, fait, euh, mais en fait, je voudrais quand même pas que les gens pensent que je, je force le trait. Euh, je veux dire... Les, 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 gens, les gens vont croire que euh, je, je dépeins quelque chose de sombre, noir, que je suis hyper pessimiste. En fait, même pas. Je veux dire, euh, je suis juste. Je veux dire, euh, c'est un livre drôle. Il hein, faut quand même le préciser. Ah, y ah, Laurent, bon, reconnaît, reconnaît, il y a des passages hilarants, je reconnais. des passages hilarants. De euh, de ouais. C'est un livre drôle, je me marre. Simplement, je constate que. On, fera la... deux on la lira deux-trois passages tout à l'heure pour euh, rire un peu d'ailleurs. C'est. Ouais, faut, faut il faut lire dans La mort douce, la campagne électorale, je pense que c'est. Ouais, bon, et puis. Moi, y a je les... me marre en l'écrivant, franchement. Euh, c bah, c les... ah, bah ouais. je crois que je les ai notés, donc je pense qu'on parle des mêmes, euh, les pages 113 à 116, c'est ça Ah, bah, tu sais, il ouais. numéro. Euh... Ah, attends, j'ai retrouvé ah. ça. Par ah, contre, pendant, pendant que, que Maurice fait sa recherche, euh, à l'émission sur euh, à l'émission ouais, de, début... euh, ouais, de début d'année, à l'émission de début d'année, euh, faisant le tour un petit peu de l'année 2017, euh, le, le camarade euh, Naudin, Arnaud Naudin, nous disait euh, finalement pour moi euh, l'année 2017, la victoire du populisme, parce que finalement Emmanuel Macron incarne euh, D'une certaine façon, ce populisme, qu'est-ce que tu en penses, Michel Est-ce que pour toi, euh, est-ce que c'est une, est, une analyse est, qui est non, propre euh... ça, ça dépend de ce qu'on appelle populisme, parce que en oui, par ailleurs, euh, populisme, ça peut vouloir dire plein de trucs. Si par populisme on entend l'alliance entre euh, une fraction, en fait, dépolitisée de la population et un homme providentiel qui, on va dire, sert des intérêts qui ne sont pas ceux dont il se revendique et qui surfe sur, euh, sur cette alliance avec, euh, avec cette fraction dépolitisée de la population, alors je pense qu'avec euh, avec Macron, on est en plein dedans. Quoi. Oui, Donc, je, pense que, je pense que lui, il l'analysait comme ça. Ouais. Ouais. Par contre, si par populisme, on entend ce qu'était le populisme américain intéressant de la fin du XIXe siècle, euh, le populisme qui faisait, qui faisait rêver Christopher Lash, bah, c'est le contraire. Parce qu'en fait, le, le, voilà, le populisme, ça n'a pas le même sens. Quoi. Ce qui est drôle, effectivement, c'est que les gens qui, en fait, incarnent ce que dans, dans mon bouquin, j'ai appelé la réaction antipopuliste, parce qu'effectivement, je pense qu'il existe ça. Il y a une sorte de réaction antipopuliste pilotée en, en partie par les oligarchies et qui vient en partie de fractions de la population qui, pour des raisons diverses, ne partage pas et souvent ne comprend pas les réflexes populistes qui viennent d'une autre partie de la population. mais cette, ré, cette réaction antipopuliste prend elle-même la forme d'une certaine façon d'un populisme. Mais c'est le populisme de la classe moyenne supérieure, des retraités aisés et de cette masse de gens qui sont un peu dans le bonisme. Ils sont pour le bien et contre le mal, quoi. Puis ça va pas plus loin. Ce qu'il appelait populisme, ouais, en fait, c'est le rejet des partis traditionnels. Et Macron a incarné le rejet des partis traditionnels. Ouais, c'est plus le dégagisme, en fait, que le, que, dégagisme que le populisme. En fait, voilà, ouais, le, le dégagisme. Qu mmh. et, bah, 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 ce que j'avais noté, c'est ce que tu disais, c'est euh, en deux mots, c'est il faut mourir pour renaître et pas de providence. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un constat de... Tu te dis que de toute façon, il va falloir qu'on y passe. Que d'une manière ou d'une autre, soit on, on verra dans les scénarios après si tu, si tu les décris, mais... Soit on va nous serrer un peu, on va l'oligarchie financière va réussir à nous serrer le kiki éventuellement, et à ce moment-là on acceptera de mourir doucement, on acceptera de la mascarade politique, ou on sera dans un truc super autoritaire, elle gardera le pouvoir et ce sera fini euh, notre liberté, notre dignité. Soit derrière euh, elle perd le pouvoir, elle perd la main sur la monnaie, etc. Ça pète et à ce moment-là il peut se passer des choses. Mais de toute façon on a l'impression que t'attends c'est un peu c'est un peu apocalyptique en fait. Bah, je pense tout simplement c'est la réalité <coughs> quoi. Oui oui. Moi, je pense qu'il y, y avait encore une, une dernière chance de, de sortir du truc autrement que par la catastrophe. Cette dernière chance, c'était en 2017. Effectivement, si on imagine une autre année 2017 avec une Marine Le Pen euh, intelligente, avec un Jean-Luc Mélenchon euh, moins sectaire. Mmh. Avec. Euh, un, un parquet national financier moins politisé. Moins politisé. Un avec B, un. un, un BFM TV qui n'existe pas. Voilà, et puis un Emmanuel Macron qui fait un faux pas, au mauvais moment. On peut avoir une histoire différente. Et là, effectivement, on peut avoir, par exemple, on pourrait aujourd'hui se retrouver dans une situation où peut-être on aurait Fillon à l'Elysée, et. quelque chose émergeant en contre-pôle pour incuber une vraie opposition responsable appuyer sur, comment dire, la canalisation du populisme en vue de produire une vraie offre politique crédible. On, on aurait pu imaginer ça. Mais ça, c'était en 2017. C'est fini. Ouais. Maintenant, c'est highway to hell. Mmh. — ouais. Fillon arrête un petit peu les délires euro-atlantistes. Il fait une politique un petit peu plus raisonnable vis-à-vis -vis de l'Europe de l'Est, de la Russie, l'immigration. Et derrière... Euh Ouais. Il aurait pu se passer quelque chose Il aurait la se réflexion sur, sur ça, le, la file des finances, etc. Mais enfin. là, c'est fini. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est highway to hell. Mm. Ouais, de toute façon, on va y passer. C'est-à-dire qu'on retombe sur, euh, sur cette euh, maxime qu'on qu qu entend depuis euh, un bout de temps, qui est que tant qu'il y aura à manger, ça ira. Tant qu'en gros, les, les, les Français n'auront pas parce assez que, faim... ce que dit pierre euh, longtemps. Ça, ça durera... Tout à fait, non, mais c'est ça, c'est pour ça. Que, euh, ça durera comme ça, bah, jusqu'au moment où ça ne durera plus. Mais... Euh, et quand ça ne durera plus, bah, à ce moment-là, ça veut dire qu'en effet, on aura touché le fond. Je ce si je résume... En... Euh... Mais c'est ça, c'est ouais. ça. Et la, la, la dernière chance d'éviter ce... Ce qui est quand même pas drôle, parce que je veux dire, comme dilemme, c'est gratiné quoi. C'est en gros, ou bien vous vous laissez euthanasier en douceur, ou bien vous renaîtrez, mais ça se fera dans un, dans un océan de douleur. Hein. Et ben la réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ce dilemme on est dedans. Hein. Je pense que la dernière chance d'y échapper, c'était 2017. Hein. Alors moi le souci comme militant euh, que j'ai, euh, non pas avec ce que tu dis hein, Michel, parce que sur l'analyse je, je suis d'accord avec toi. Mais après mon souci comme, comme militant, euh, c'est d'arriver à, à ce que nous produisions quand même et on en parlait euh, avec cette émission, avec la la 328. Hein, euh, les Forban s'amusent euh, saison 8 euh, auquel, euh, à laquelle Maurice et, et Robatschov ont, ont participé. C'est quand même d'arriver pour nous à produire une envie de militer, un militantisme qui soit positif, euh, qui, oui, fasse que, qui fasse qui, qui rejoigne ce que à un moment euh, pour le coup Mélenchon a produit, a produit infiniment mieux que Marine Le Pen. Ça là-dessus euh, sur ce plan-là il n'y a pas photo. C'est euh, c'est en gros construire du, construire du mythe. Construire de l'épopée et à un moment construire un environnement euh, qui soit positif et qui donne envie <coughs> à, nos, à nos compatriotes, pas nos concitoyens, hein, nos compatriotes, de se. De de, je vais être très vulgaire, me sortir les, les doigts du cul. <laughs> et donc d'avoir envie, en gros, de, de préparer, euh, en effet, ce moment qui arrivera. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, vas-y, continue. Ouais, et donc là, moi mon, ma, ma problématique, elle est là-dessus. tu vois Elle n'est pas sur ton analyse. Que je rejoins, euh, où je pense qu'en effet, euh, on est dans le, on est dans l'eau on est dans cette grenouille qui, euh, qui, qui en effet, est en train de se, est, en, est dans la torpeur, dans cette torpeur qui petit à petit finit fait qu'elle finira euh, euh, au fond de la gamelle euh, complètement ébouillantée. Euh, C'est moment trouver quand même le, le moyen d'arriver à ce que la, la grenouille se rende compte de ça. Et que, euh, à défaut de pouvoir sortir de la gamelle, au moins, euh, elle prépare, euh, elle prépare le moment où il y aura peut-être une possibilité d'en de, sortir, et, euh, et qu'il soit pas basé, parce que le catastrophisme, on le sait, euh, sclérosant Voilà, c'est ce Du point de vue militant, c'est sclérosant. Alors, euh, je veux dire, ça, ça fait, ça fait 80 ans que les partis léninistes attendent. Cette catastrophe du capitalisme qui leur permettra de reprendre le pouvoir comme en 17, ben c'est arrivé en 17, oui, 1900, hein, 1917. Euh, ça s'est jamais reproduit. Ça ne s'est jamais reproduit. Et vous avez des gens qui ont passé des générations entières hein, lutte ouvrière euh, dans d'autres parties trotskistes, euh, qui ont passé leur vie à, à attendre ce grand soir euh, qui n'arrive pas parce qu'en effet, de toute façon, l'histoire ne repasse pas les plats et euh, qui finalement, du coup. Euh, produisent en fait de l'énergie totalement inutile. Euh, nous, d'une façon ou d'une autre, faut qu'on on arrive à ne pas être dans cette configuration-là. Et moi, c'est ma problématique à moi. C'est vrai qu'il y a un truc qui est absent du bouquin. C'est en fait, il y a pas de. Au milieu de tout ça, il n'y a jamais de, de grands partis militants, de grande idées. Ça s'écroule et on ne sait pas ce Oui, y mais parce derrière. que c'est pas le. pas la perspective. Non, non c'est pas la perspective. Mais après, c'est vrai que si on se met dans une perspective un peu d'apocalypse, dans toutes les apocalypses, derrière, il y a il y a le sauveur qui lève la main. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde se met derrière lui. Effectivement, quand tu dis qu'il faut qu'il qu me présente un, un, une force militante et des idées qui émergent, c'est faut qu'il y ait cette chose éventuellement autour de laquelle tout cristallisera et une chance de cristalliser une fois que ça sera, sera pété la figure. Parce que si ça se pète la figure sans aucune idée derrière pour cristalliser autre que le bête réflexe ethnique et le réflexe de survie, là effectivement, non seulement ce sera dans la douleur, mais on n'aimera pas, je pense pas. quoi. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, bon, je voudrais quand même défendre mon cas. Vas-y, Michel, vas-y. Je vais faire comme, comment, Jawad Daoud, là Vas-y, vas-y. Oh ouais, attends, te me cherches, là. Pourquoi, toi aussi, tu vends de la cocaïne Non, mais je peux m'y mettre, je veux dire, bon, peut-être ça serait plus rentable que ce que je fais actuellement. Champignon hallucinogène, peut-être. Ouais, ça doit être plus sympa que de vendre des bouquins, puis ça rapporte plus, puis bon, voilà. Puis après, on dit une célébrité, on passe au tribunal, bon... Euh, ouais, non, non. Ce que je veux dire, c'est euh, simplement. Bon, d'abord, il faut préciser un truc. Je suis pas un militant, donc c'est normal que je, je, je veux dire. Je, mon boulot, c'est juste d'analyser ah non, situation On est, on voilà. est bien d'accord, hein, Michel. Il est dans déçu. les scénarios, il n'y a pas de grand parti communiste ou fasciste ou ceci ou cela, quoi. Tu bah, vois, disons, Bon, il y a le scénario italien, voilà. J'appelle scénario italien, c'est-à-dire. Entre dans le détail, d'ailleurs. Ouais, bah, en gros, l'idée du scénario italien, c'est d'abord, c'est qu'il est marrant. Il est C'est le plus drôle. Hein. Alors là, si ça se produit, on va vraiment rigoler. En fait, je pense que la probabilité, est quand même assez sensiblement inférieur à 1 sur 2, mais on ne sait jamais. Le mouvement 5 étoiles arrive au pouvoir en Italie. Et alors, gag suprême, dans un pays où tous les politiciens sérieux, une fois qu'ils sont élus, disent, bon, ah, j'avais vaguement un programme, mais vous êtes d'accord, on est en Italie. Hein, donc, euh, ouais, bon, euh, je pensais ça hier, mais aujourd'hui, je... c'est le truc de Groucho Marx. J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, je peux en changer. Le truc. Les politiciens italiens, ça marche comme ça. Et là, j'imagine que le M5S arrive au pouvoir et qu'à la stupeur générale, Beppe Grillo déclare J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, eh ben, j'en changerai pas quand même. Et là, effectivement, ça devient hyper marrant parce que, en gros, je, je pense que la zone euro telle qu'elle est articulée aujourd'hui, pète très rapidement quoi je veux dire je veux bien que on sait gérer des choses très compliquées à à, à Francfort mais là Merkel et BP Grillo dans le même bateau c'est impossible quoi ça me paraît vraiment impossible et donc là j'imagine dans ce scénario là parce que c'est très drôle que bon qu'est-ce qui se passe en Italie j'imagine c'est un scénario que je fais volontairement très positif tout se passe pour le mieux euh, bon les Italiens sont des gens pragmatiques ce sont des gens pragmatiques, ce sont pas des idéologues, et donc on peut imaginer chez eux des coalitions pragmatiques qui se font, c'est-à-dire que bon, le M5S arrive au pouvoir et il s'entend avec la Ligue du Nord. Ce qui est euh, pas du tout euh, impossible. Ce qui, est, en fait. ce qui est pas impossible, ce qui est pas impossible, je veux dire, c'est des gens pragmatiques, et donc euh, ça, ça commence à créer un mouvement en Italie qui diffuse en France. Et j'imagine que bon, à ce moment-là, en plus, il y a un autre événement qui se produit dans le printemps italien. Il y a un crack financier majeur qui se produit aux États-Unis. Alors, pour des raisons indépendantes, largement indépendantes de ce qui se passe en Italie, qui est que, euh, en gros, si vous voulez, il y a une guerre à l'intérieur de l'oligarchie américaine et qu'il y a une fraction du capitalisme américain qui décide de profiter. De la présidence de Trump et de la présence de Jérôme Powell à la Fed pour faire porter le chapeau d'une deuxième grande récession à des gens qui n'aiment pas. C'est une chose qui peut arriver dans les années qui viennent. Je ne sais pas si ça se produira, mais ça peut arriver. Et la conjonction des deux crée une situation où, effectivement, d'un seul coup, des millions et des dizaines de millions de moutons français deviennent des moutons enragés. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous les, les tous les, on va, excusez-moi, on est, on est entre potes. Hein, alors on se lâche, on a bu un verre, on dit n'importe quoi. Hein. Bon, tous les, tous les vieux frileux qui sont là, euh, crispés sur leurs, euh, leurs petites économies parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à perdre. bah ben, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre parce que les, ça a été le bail-in généralisé. Il y a eu spoliation sur les comptes bancaires, etc. Euh, toute la classe moyenne supérieure qui est depuis euh, 20 ans euh, en train de, de festoyer dans les centres-villes, en faisant semblant de croire que tout va bien parce qu'elle a pu s'acheter euh, son, son deux pièces cuisine à, à un prix délirant dans, dans Paris, se retrouve d'un seul coup avec des prix de l'immobilier qui s'écroulent, des revenus qui s'écroulent, mais des banques qui continuent à exiger les remboursements. Bon, et donc dans ce contexte-là, d'un seul coup, effectivement peut émerger quelque chose. Parce qu'on est dans un autre contexte, c'est un autre monde. Ce que j'ai voulu montrer par ce scénario, simplement, c'est un truc que je crois, certaines personnes ne voient pas. C'est qu'il y a encore des raisons d'espérer, même si ça sera de toute façon douloureux. Hein. Je veux dire, ça passera par une cata. Mais la cata, ça peut être très différent. Je veux dire, il y a des catas à 50 millions de morts et il y a des catas à 500 morts. Hein. C'est quand même pas la même chose. Bon. Et dans ce cas-là, on voit émerger d'un seul coup un truc qui, qui surgit alors j'ai imaginé euh, sur Internet, par euh, c'est viral, ça passe sur viral et il y a un mouvement qui est un peu l'équivalent un, un M5S à la française. Alors plus droitier parce qu'on est en France, on n'est pas en Italie et la France est plus comment dire, elle a une structure de, qui, qui n'est pas la même et euh, ça balaye l'ancienne classe politique d'un seul coup, d'un seul coup. Et je pense que dans un contexte comme ça, ça peut arriver. Ouais. Alors après, de toute façon, enfin, euh, ce que, ce que j'ajouterais juste, enfin, hein, non, non deux de, de commentaires en fait par rapport à ce que tu viens de dire, Michel. C'est, je pense que de toute façon, enfin, personne n'imagine, en tout cas, j'espère, parmi euh, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, euh, personne n'imagine qu'à un moment, de toute manière, étant donné le, le niveau de confort matériel euh, atteint par, euh, par nos sociétés. Euh, aucun changement un peu radical ne soit pas euh, inconfortable, d'accord. Tout dépend en effet de ce qu'on met derrière la catastrophe. Et tu as raison. Il euh, y a des, des, des catastrophes à 500 et des catastrophes à 500 millions. De toute manière, euh, quelle que soit la, la configuration, on a atteint un tel niveau de, de confort et de, de coton que de toute manière, en effet, tout changement sera euh, vécu comme une catastrophe. Ça c'est très clair. Donc euh, bah après, tout dépend, en effet, c'est une histoire de niveau. Euh, je pense que pour plein de gens, le fait de revenir, par exemple, au niveau de vie de nos grands-parents euh, serait vécu comme une catastrophe. Voilà. Et pourtant, on a des grands-parents qui euh, ont vécu correctement à l'époque. Bon. Euh, sur, le, sur le mouvement euh, 5 étoiles, euh, c'est vrai que bon, c'est quand même un scénario, de mon point de vue, euh, mais, mais tu, tu le sais bien, euh, en effet très improbable, et c'est en ce sens-là où c'est un scénario euh, original c'est qu'à un moment BP Griot puisse dire « j'ai des principes et je les garde ». Parce que pour l'instant, tous les élus du mouvement 5 étoiles ont exactement fait le contraire de ce qu'ils avaient annoncé. la de Rome. voilà, c'est ça. C'est la mère de Rome qui, globalement, alors que bon, elle avait été élue sur un discours très nanana. En fait, et en particulier sur le plan migratoire. Euh, et sur l'anticorruption aussi. Tout a, et l'anticorruption fait exactement l'inverse de ce qu'elle avait dit. Et je crains que merde. ce soit en fait tout le mouvement qui soit en capacité de produire ça. Se reporter d'ailleurs au, au texte de notre ami Aimant euh, dans le oui, magazine des idées euh, du numéro de cet été. Arrête, été on, on, on dirait du PGL. Voilà, le magazine des idées, comme dirait PGL. Ouais. Et il y a une constante dans à peu près tous les scénarios, c'est toujours ces. Un espèce de groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, de financiers qui sont là à faire des agendas pour des cracks plus ou moins précipités. Ah, J'ai un mot qui est en tête, mais je pense pas que soit voilà. celui auquel tu penses. Et euh, en gros, c'est ça. À un moment donné, il va falloir purger le système d'une manière ou d'une autre. Bon, alors avant que Maurice se lâche, je précise ouais, que je micro. suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que les gens en disent. <laughs> hein. Bon. Alors Maurice, tu peux y aller. Hein, je veux dire, les oligarques, non C'est ça Ah, ah oui. bah, on les appelle comme ça. Oui, oligarque, c'est bon. De nationalités <laughs> très différentes, mais. <coughs> de double nationalité très différente. <laughs> Zut euh, Non, non, oui, mais il y a toujours ce, cette idée qu'il va falloir purger à un moment donné le système financier et que ça se fera de gré ou de force. En fait, qu'ils attendent le bon moment pour tout purger. Et pour, pour tout dégommer. Et en fait, la, la, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont arriver à contenir la foule Est-ce qu'elle va se laisser faire, quoi ?— ben, En fait, bon, le, ce que, ce que j'explique dans le, dans le diagnostic économique, sans entrer trop dans les détails, c'est que euh, bon, la, la situation qui a donné la crise de 2008 est toujours là. Et en fait, même, elle s'est aggravée. — Elle est pire. — Elle est pire, voilà. — Les produits dérivés, déjà. — et donc, euh, il n'y a aucune raison pour que la crise de 2008 ne se reproduise pas. La seule raison pour laquelle, pour l'instant, ça ne se reproduit pas, c'est une politique monétaire euh, accommodante, euh, très accommodante, avec des mesures non conventionnelles. Euh, on peut, on peut aller jusqu'à totalement délirante. Oui, bah, ouais, oui, 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 bah, bah, ça, ça, dit accommodante pour pas dire complètement bah, voilà, délirante. Ça n'a ouais. plus aucun Démente, sens. C'est-à-dire que un, un des trucs bizarres de l'époque actuelle, c'est qu'en fait. La raison pour laquelle la catastrophe qu'attendaient nos bons amis de lutte ouvrière, euh, ne, 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 la raison pour laquelle cette catastrophe ne se produit pas, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, si elle s'est produite, mais ça n'a pas du tout donné ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire que le capitalisme, le vrai, celui qui existait avant, en fait, a vraiment implosé. C'est ça qui est, qui, est, qui est très fort. Oui, est, celui celui qu'analysait Trotsky euh, voilà. dans les années 20. Capitalisme de papa. Ça a vraiment, ça a vraiment implosé, à tous, les, à tous égards. C'est-à-dire que la logique capitaliste qui, qui dit en gros que l'argent n'est pas gratuit, et qu'il y a un truc qui s'appelle quand même un taux d'intérêt, on en est sorti. À ah, Il... les taux négatifs. Ah voilà, la classe même qui prédominait dans ce capitalisme, la bourgeoisie a largement implosé. Ce n'est plus aujourd'hui la bourgeoisie qui bénéficie du système. C'est autre chose. Bah, c'est une bourgeoisie très très étendue. En fait, c'est tous les retraités américains, les retraités. En fait, euh, les gens ouais, qui euh, qui bénéficient du système, ils sont quand même de quelques centaines de millions probablement. C'est oh, peut-être aussi ce qui fait que les gens veulent pas sortir. la bourgeoisie. Enfin, même, même, ce, euh... même ceux que tu cites là, en fait, eux sont, sont toujours <coughs> finalement ils marchent au bord du précipice. il euh, bah, y a tr un très bon exemple. Enfin, je veux dire ces retraités dont tu parles <coughs> aux États-Unis, par exemple. Euh, ceux qui avaient misé sur Enron, euh, ils se sont retrouvés à poil. Non, enfin, les vrais bénéficiaires, c'est les fameux 0,1%. C'est les très riches, c'est les hyper riches. C'est les hyper riches, ce qu'on appelle euh, l'hyper classe et, transnationale privilégiée, pour parler comme Atali. Ils ont su embarquer derrière eux, euh, oui, gré oui, de ça... great force, c'est-à-dire avec les retraites par. Euh, ils, se pas, par ils, se ils se sont créés des obligations, ils se sont créés des obligations, des gens qui des dépendent d'eux, quoi, pour, pour leur oui. vieux jour, etc. Mais si tu veux, il fut un temps où euh, il existait une classe sociale qui s'appelait la bourgeoisie. Cette classe sociale n'était pas seulement caractérisée par la détention du capital, elle était aussi caractérisée par un certain nombre de comportements, un certain nombre de valeurs. Et elle, elle était numériquement quand même assez importante. Il y avait bien sûr une petite, une moyenne et une grande bourgeoisie. Et la grande bourgeoisie n'a jamais été numériquement très importante. Mais l'ensemble du monde bourgeois définissait quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu as une toute petite couche d'hyper riches qui prennent l'essentiel de la croissance mondiale. Et ils ne sont vraiment pas très nombreux. Et ils n'ont pas des <coughs> attitudes, des comportements de bourgeois. Ils ont des, fait, at ouais. des attitudes, des comportements de mafieux enrichis. Ils ne sont pas paternalistes, on va dire. Ils... Ah ouais, on est sur une pure prédation. <laughs> voilà. C'est de la pure prédation. C'est du capitalisme qu'on Et voilà, c'est ça qu En fait, donc le, le vieux truc qu'analysait Trotsky, ah, il s'est vraiment cassé la gueule. Simplement, le truc qui a apparu à la place. C'est pas le prolétariat. Est, est le, le, voilà, le prolétariat, ouais. il, il, avant, il était capable de rien. Et maintenant, il est toujours capable de rien. Et voilà. Et, et c'est bon. Bref, je, je, je m'égare. Excusez-moi. Je... Non, non, mais euh, si, si, c'est bah, bien pour ça qu'on t'a invité, Michel. Pour que <laughs> je m'égare, bien sûr. Oui. Non, non, non. Ben ouais, non, mais ça, ouais. parce que c'est pas, c'est pas de l'égarement. On est, on est bien d'accord. C'est qu'en effet, ça, ça, ça permet d'avoir des, des grilles de compréhension. Et, euh, et ça en est une. Ça en est une par rapport à, en effet, à, à tout ce, ce milieu qui, euh, qui continue de se rêver euh, révolutionnaire, euh, mais qui se trompe de, qui se trompe d'objet. Bah, en fait, les gens qui sont en train de faire la révolution aujourd'hui, c'est les 0,01% d'en haut. C'est les Silicon Valley. Voilà, c'est leur révolution qui, qui s'est déroulée, à l'occasion, entre autres, de la crise de 2008, qui continue de se dérouler à l'occasion de cette politique monétaire, mais qui, enfin, je veux dire, qui mathématiquement pose des problèmes. Hein. Je veux dire, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, une économie où les taux sont négatifs ça, Mais ça veut dire quoi Je veux dire, rien « Tu me rembourseras moins que ce que tu m'empruntes ». Ça n'a pas de sens, c'est dingue. Bah, lor Lorsqu'on le formule, euh, en effet, dans, en une phrase euh, en français, en, dans une phrase de compréhension par tout le monde, ça ne veut rien dire, en effet. On n'arrive pas à se représenter. Mais comme on n'arrive pas à se représenter non plus les euh, 1800 milliards de dollars euh, de, de devises qui sont échangés chaque jour, Enfin, là, on est sur des niveaux, en effet, qui font qu'on a, on a un vrai découplage entre ce qui est compréhensible par le commun des mortels... Et euh, est-ce qui donne la est-ce qui est -ce qu la réalité financière au genre le jour, ou le trading haute euh... fréquence par exemple. Tout à fait. Et là, c'est la force le de ce système-là à la, la nanoseconde. Même... Mais je crois que le truc tient en partie par son absurdité en fait. Oui, et puis son caractère, euh... alors virtuel, mais c'est même plus ça. Là, c'est quelque chose de, de déréalisé et d'irréel aussi, presque d'irréel. Mais en théorie. Qu il a, ouais. Pourtant, qu'il y aura des conséquences très réelles. Tant bah, ouais. que tout le monde fait semblant d'y croire, à la limite. Euh, oui. Tant ouais, ouais, ouais. que euh, les traders font semblant d'y croire, tout le monde fait semblant d'y croire. Euh... Ah ben, bah, c'est la, la notion même de, de monnaie ou d'économie fiduciaire. Enfin, ouais. tu, ou de bulle. Voilà, tu as, as une pseudo-confiance, en effet, que chacun affiche pour éviter que euh, tout tombe. Il hum. euh, bah, y a des bulles dont tu peux sortir elles sont localisées, mais quand la bulle, c'est le monde, à la limite personne a finalement intérêt à la faire péter puisque tu es, es dedans il y a pas d'ailleurs y a pas d'ailleurs de la bulle il hein. a pas tout à fait Donc mais hein. par rapport au, au scénario que tu, tu as produit Michel est-ce que tu en as produit plus et finalement tu as choisi ces huit là ou est-ce que c'est en effet et quand, quand tu as essayé de construire à un moment le, en fait, ta, ta modélisation fait... tu t'es dit bah ben, voilà il y a ça ça donne ça et puis tu es arrivé sur ces 8 là en fait j'ai euh, mis les j'ai fait un classeur excel j'ai fait un tableau donc j'ai mis euh, il y avait neuf colonnes euh, non dix colonnes la première colonne c'était les tendances qui avaient été identifiées dans l'analyse avant la deuxième, la deuxième colonne c'était que devient euh, cette tendance euh, et euh, donc là je faisais une petite projection allant un peu au delà voilà. et puis ensuite pour chacun des huit scénarios j'ai mis dans ce scénario-là, voilà ce que donne cette tendance. Mais c'était des choix. C'est-à-dire que là, j'ai articulé huit scénarios de base parce que j'ai fait deux exposants trois. Mais en fait, il faudrait considérer... J'ai fait ça parce que j'ai considéré que je mettais trois incertitudes majeures qui correspondent aux trois tendances les plus critiques. Mais en fait, des, des tendances, j'en ai identifié, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine. Donc en fait, il faudrait mettre euh, pour avoir le nombre de scénarios simplement donné par une petite modélisation comme ça faire euh, deux exposants 50. quoi. Donc j'ai pas le calcul en tête, mais ça fait déjà des milliards. Hein. Oui, oui, tout à fait. Que, quel regard est-ce que tu as sur parce que euh, tu n'es tu n'es pas le premier à, à proposer des scénarios, à faire des, de la prospective en quelque sorte. Et euh, généralement, c'est euh, c'est à chaque fois très intéressant. Euh, le premier qui me vient euh, en tête euh, en termes de là récemment, enfin récemment, maintenant, ça date de oh, peut-être bien dix ans. Hein. C'est euh, Guillaume Faye sous sous le pseudonyme d'Alexandre Corvus. Guillaume Corvus. Euh, voilà, Guillaume Corvus, pardon, pas Alexandre exact. Guillaume Corvus, la convergence des ce qui était ca... la convergence des voilà, ce qui était quand même très explicite et la convergence des catastrophes. Euh, donc il disait voilà il va y avoir en effet le titre est clair hein, une convergence un certain nombre de de, de phénomènes critiques alors lui c'est vrai que il le plaçait je pense que son erreur a peut-être été de, de le dater c'est vrai qu'il voyait ça avant 2010 bon bah on est en 2017 ah, euh, est... après Laurent Ozon avait avait cette parce que je lui avais posé la question je hein, que lorsque j'avais reçu ouais. voilà Laurent Ozon me euh, disait c'est une histoire de sensibilité, c'est-à-dire qu'à un moment, la question de la datation n'est pas importante, à partir du moment où ces personnes qui font des scénarios, c'est que de toute façon, ils ont une sensibilité plus aiguë que les autres, plus, plus aiguë que les autres militants ou que nos autres compatriotes sur, en effet, l'évolution, et que donc à un moment, bah, cette hypersensibilité fait qu'en effet, ils peuvent se tromper dans les dates, ils ne se trompent pas malgré tout dans l'analyse. Quel regard, toi, est-ce que tu as, justement, par exemple, sur euh, cette, ce scénario de Guillaume Faye, sur ces scénarios passés dont certains pourraient dire, Ah, vous voyez bien, c'est pas arrivé. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Alors, d'abord, bon, en fait, le scénario 7 de, de voir Macron est inspiré en partie par la convergence des catastrophes. Euh, bon, c'est pas, pas exactement ce que dit Fay dans la convergence des catastrophes, parce que le, la chouette de Minerve a un petit peu décollé depuis, euh, depuis cette époque-là. Mais euh, c'est inspiré un peu par ce qu'il avait fait. Alors, effectivement, euh, on est en 2018 et c'est pas arrivé. Cela dit, les grandes tendances qu'il avait détectées sont toujours là, quoi. Sont toujours là. Bon, euh, personne ne peut savoir. L'avenir est imprévisible, en, en, à mon avis, pour au, au moins deux raisons. La première raison, c'est que le monde est chaotique. Le monde est chaotique, c'est pas moi qui le dis, c'est les mathématiciens. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa dépendance, la dépendance sensitive aux conditions initiales. Est trop grande pour qu'on puisse prévoir quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas de proportionnalité entre l'erreur qu'on peut faire sur la mesure des conditions initiales et les résultats que va avoir cette erreur. Donc, de toute façon, déjà, c'est une première raison pour laquelle c'est imprévisible. Et la deuxième raison, c'est que si le monde était prévisible, raisonnons par l'absurde, alors les acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il se passe, ce qui va logiquement se passer, changeraient les conditions. Et donc, et donc, ça, ça rendrait à nouveau le monde imprévisible. Donc, de toute façon, c'est imprévisible. Ça, ça déjà. Hein? Imprévisible par les petites gens comme nous. Imprévisible par les petites gens comme nous. Il est possible, effectivement, que des acteurs ayant un très haut niveau d'information et de très gros moyens de modélisation, écoute. Zbigniew Brzezinski, pardon, je vais y arriver, Brzezinski, j'appelle Zbigniew, mais il faut dire Zbigniew, c'est un Polonais qui me l'a dit. <laughs> ah bah alors Zbigniew Brzezinski a écrit dans, dans on son peut, der... On peut juste, Michel, rappeler, euh, parce que... Oui, c'est une de mes références. C'est un conseiller, il a été conseiller au président Carter. C'est lui qui a monté le piège à ours en Afghanistan, qui a fortement contribué à faire tomber l'URSS. Puis il a été conseiller euh, sous Clinton, euh, il a été moins écouté à l'époque, et d'ailleurs Clinton aurait dû l'écouter davantage, mais enfin ceci est une autre histoire. Et, et il était encore conseiller organ hors organigramme d'Obama pendant une partie du mandat du, du, du d'Obama. Ouais, et on lui attribue en gros la, ce, ce, cette reconfiguration du Moyen-Orient. Euh, qui circulent Alors, le problème, c'est qu'ils vont des reconfigurations du Moyen-Orient. C'est un, c'est un sport national aux États-Unis. Quand ils s'ennuient, ils font des cartes du Moyen-Orient. Donc, il y, y en a eu plusieurs, quoi. Donc, mais il y en a une, effectivement, qui est liée à Brzezinski. Mais il y, y en a eu plusieurs, Alors, bon, Parce que Brzezinski, euh, comment dire, euh, pour dire les choses. aux États-Unis, en gros, il y a plusieurs tendances. Et Brzezinski n'a jamais été dans une des tendances très fortement liées au réseau pro-Israël. Voilà, Donc, moins que plus. plutôt moins que plus, voilà, enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. A... Mm. Ouais, c'est ça, ce que tu disais, le, le monde c'est un système complexe en fait, c'est ça je crois en mathématiques, un système complexe avec énormément d'interactions, une très forte dépendance aux conditions initiales et une non-linéarité, c'est-à-dire que tu peux avoir les, 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 les résultats, quand tu modifies une variable, les résultats sont non-linéaires, c'est-à-dire que ça peut être très faible à un moment donné, accélérer énormément à un autre moment quoi. Donc effectivement, et d'ailleurs en, en, en économie, tu vois les choses, c'est un peu piloté comme un système complexe. C'est-à-dire en fait les gens, ils changent un petit peu de TVA en espérant que ça va avoir une grande incidence sur le chômage. Je te change un petit bout de TVA, puis encore un petit bout, un petit bout. Tu, changes, tu fais varier petitement des variables en espérant que ça va modifier de manière substantielle les, les indicateurs comme le chômage. Donc effectivement, même la manière de gouverner aujourd'hui montre que les, les gouvernants considère le, le système presque comme impilotable. Il le pilote au pifomètre comme un système complexe, en fait. Alors, Alors pour... du coup, on a coupé Michel, en effet, dans sa présentation. Alors, que, Brésil... Ce que je voulais dire, c'est que dans, dans son dernier bouquin, Strategic Vision, où, qui est très intéressant parce que, non seulement, il, il fait des, des constats sur l'évolution, mais il fait aussi un peu son mea culpa, il réfléchit là où il s'est planté, etc. Et il a cette formule, il dit, en gros, on peut considérer que ça a un sens de faire des scénarios... Sur 20 ans. Voilà. Au-delà, c'est même pas la peine d'essayer de faire des scénarios, en gros. Voilà. Donc, au, au plus haut niveau, pour des gens qui ont quand même un très haut niveau d'information, etc., ils essayent de réfléchir à 20 ans. Ça ne veut pas dire que c'est prévisible pour eux, hein. mais ça veut dire qu'ils doivent considérer qu'à 20 ans, ils doivent pouvoir continuer à réfléchir. Quoi. Mais Parce que c'est devenu euh, excessivement. Enfin. Euh, je pense que si, si euh, certains auditeurs ou auditrices ont envie de s'amuser, euh, il suffit de regarder à un moment, ne serait-ce que par exemple le, les, les cycles, euh, les cycles du, du produit, c'est-à-dire qu'un moment, regardez le, la période d'invention ou la date d'invention d'un produit quel qu'il soit, et ensuite son innovation, c'est-à-dire son application dans la vie concrète. Euh, et on regarde ça en, partie, en, en partant du XVIIIe siècle. Et, euh, et en fait, on voit d'une façon très très simple. Un, un temps qui se rétrécit de plus en plus, euh, avec euh, en gros des, des cycles d'innovation euh, qui sont de plus en plus courts. Et donc ça, c'est sur quelque chose de très concret qui est euh, le produit. Alors, euh, je pourrais donner comme exemple la photographie, je pourrais donner le téléphone, ensuite je pourrais donner euh, l'ordinateur, je pourrais donner la puce électronique. Bon, bah, si on étend ça, en effet, à l'ensemble de nos, nos sociétés, en effet, on est sur des cycles de changement. Ou de, de transformations qui sont de plus en plus courts et qui rendent en effet la prospective de plus en plus compliquée. Et c'est pour ça que tu le dans ton dans ton livre tu le dis à un moment au-delà de cinq ans. Bon, toi ce qui t'intéresse c'est le quinquennat Macron, ce premier quinquennat Macron, en espérant qu'il n'y ait pas un deuxième. Mais alors ça, bon, on est sur autre chose. Euh, mais sur ce quinquennat là, bah, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses où on sait que de toute façon ça n'arrivera pas parce que c'est trop court, ou en tout cas la probabilité pour ça arrive est trop courte. Par contre. Bah en effet, euh, c'est une finalement une, une période quand même de réflexion qui est qui est maintenant justifiée cinq ans c'est très court mais euh, le changement se fait de façon tellement rapide que c'est pas plus ridicule qu'autre chose et en tout cas c'est clairement pas plus ridicule que de penser à dix ou quinze ans parce qu'en effet on est incapable de prévoir euh, sur cette période. Bah tout ça pour dire que donc on peut pas en vouloir à Guillaume Faye si c'est un peu planté. Sur oui tout date. à fait <laughs> non non mais là je... non mais j'en veux pas c'était plus toi. En fait histoire... d'ailleurs si on y regarde de plus près euh, y... Il s'est pas vraiment planté. Hein. Loin de, non, loin. Et c très planté loin de là, il s'est planté juste la sur la datation. Mais très loin de mais là, mais Sur les tendances, il, sur près les près tendances il a bon, vraiment, j'irais pas jusqu'à dire tout bon, mais pas loin. Quoi. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est juste avoir le, 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 le regard de, de Michel ah, par rapport à ça. Là. Ouais. Là, là, en ce moment, on a une discussion avec euh, Piero Sangiorgio. Euh, Piero pense qu'il euh, va y avoir une crise des combustibles liquides dans pas très longtemps. Euh, donc, en gros, lié au problème de la dépression pétrolière. Bon. — Sur l'absence d'investissement En ah tout non, cas, sur l'investissement de recherche qui fait qu'à un moment... — Il y a une, euh, y a une ouais. absence d'investissement de recherche. Il y a le pic d'extraction des conventionnels. Bon. Lui, pense pense on va avoir un problème là-dessus. Enfin euh, il pourrait s'en expliquer plus en détail s'il venait. Mais d'après ce que j'ai compris, voilà, il est toujours sur ce scénario-là. Et ça, combiné à beaucoup d'autres choses, il continue à penser qu'on va vers une catastrophe majeure à l'horizon 2020, 2021 ou quelque chose comme ça. Donc pour lui, c'est rapproché. Bon. Euh, moi, mon opinion personnelle, c'est que euh, le plus probable, c'est plutôt qu'on va avoir euh, un effondrement global qui pourrait être complet ou partiel, ça je ne sais pas, mais plutôt je le situe entre 2030 et 2050. Parce que je pense beaucoup plus que le paramètre clé... Ça va être le taux de disponibilité de, des ressources naturelles d'une manière générale. Métaux rares, euh, énergie, mais énergie au sens large, c'est-à-dire euh, pétrole, gaz naturel, etc. Ouais. Oui, sachant euh, qu'on a encore 400 ans de charbon devant nous, par exemple. On a encore plein de charbon, mais il faut aller le chercher, il faut gérer ses conséquences écologiques, enfin bon, c'est pas simple. Bon. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Pierrot est sur un scénario et que moi je suis plutôt sur un autre C'est tout simplement la. Le paramètre qui est retenu. Voilà. Et à un moment, quand on, quand on imagine, quand on, quand on décide de prendre un scénario de référence, consciemment ou inconsciemment, on priorise un paramètre. Voilà. Euh, tout ça est très artificiel, tout ça. Et en fait, c'est pas très intéressant en soi. Ah, si. Je... Alors, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Michel. C'est que, je pense, c'est ce qui rend l'exercice intéressant. C'est qu'en effet. Euh, alors évidemment là aussi hein, c'est un petit peu vous allez vous allez euh, vous moquer de moi enfin en rigoler c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre l'aspect pratique qui en effet est catastrophique et l'aspect intellectuel qui moi m'intéresse c'est que en tant qu'historien euh, ou alors historien c'est un peu pompeux en tant que euh, prat, praticien de l'histoire on va dire euh, ça me renvoie au fait qu'à un moment sur un événement passé euh, les grilles d'analyse rendent un même événement euh, d'une lecture tout à fait différente. Tout dépend de cette grille de lecture. Bon. On est d'accord. Et eh ben en fait, c'est la même chose pour l'avenir. Et est-ce que tu dis, Michel bah, Oui, si, c'est intéressant. Parce que, en effet, ça explique à un moment les, les petites différences d'ajustement qui peut y avoir d'un scénario à un autre. Et moi, c'est ce qui me rend ton livre intéressant. C'est ces huit scénarios. C'est que en effet, il euh, n'y a pas de déterminisme il y a une hétérotélie. Euh, des, des choix. À un moment, euh, en effet, il y a des, des choix qui sont faits, qui peuvent aboutir à, des, à des, des conséquences ou à des objectifs qui sont différents, à des résultats qui sont différents. Euh, et donc, à un moment, bah, n'importe lequel de ces huit scénarios, en soi, combiné peut-être avec d'autres choses, d'ailleurs des scénarios peuvent se combiner, euh, mais euh, en soi, oui, ils sont intéressants. Et ça renvoie à ce que tu disais sur le fait de faire un tableau Excel et puis d'arriver à, à un nombre de probabilités qui est, qui est absolument incroyable. Ouais. Bon, mais après là on sort du de la capacité de Non, ce que, ce que, ce que je disais c'est pas très intéressant, je veux je veux pas dire par là que l'exercice est pas intéressant, je veux dire que ce qui est pas très intéressant c'est la conclusion en fait. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de savoir que bon bah, Pierrot pense qu'on va on va tous mourir en 2021 et que moi je pense qu'on va tous mourir en 2035. Sauf lui si tu achètes son bouquin. Ouais. 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 Non mais sauf toi si tu son <laughs> bouquin hein, Pierrot. Mais oh, ce qui est intéressant, c'est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est un moment... Il... On change le paramètre, on change le paramètre de lecture et à ce moment-là, on est, essaie. Est... Ce qui est intéressant, voilà. c'est de comprendre le lien entre le choix du paramètre et le voilà, c'est là. La... En fait, c'est pour comme ça, on va mourir, mais on sera, on, 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 on aura, on aura progressé sur le plan de la connaissance pure. Voilà. C'est bien. <laughs> bah, on mourra pas idiot. Voilà. Ah, c'est déjà ça. C'est toujours. Fait tout le monde finir. peut pas en dire autant. Ah, ça très clairement. Euh, je voudrais faire un retour en arrière, Michel. Est-ce que tu peux nous. Bon, sans en donner tous les détails, évidemment, mais. Euh, repréciser un peu le détail euh, du printemps italien. Parce que tu es rentré de. Donc, il y a une entente, Ligue du Nord, euh, Mouvement 5 étoiles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Alors. Euh, Puisque c'est ce qu quand même pense. le plus plaisant des. des ouais, séquences. on sent le tropisme italien, franchement. Ah, je... bah, on est sur MZ. Hein, donc... Ouais, non, mais en plus, en plus j'aime bien les Italiens dans l'ensemble. Je trouve oh. que. On... En, en Europe, euh, en Europe, c'est euh, c'est quand même eux qui sont les plus proches de nous. Euh, et comme on est les meilleurs, ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal, quoi. Tout à fait. Voilà, mais et, dire, et puis après tout, au moment de la Renaissance, on, on aurait pu ne former qu'un seul pays, hein, s'il si, euh, y avait eu un peu plus d'intelligence au niveau de la monarchie. Ouais, mais même à l'époque de Napoléon, ça. Aussi, aussi, tout à fait. D'ailleurs, même avant César, euh, il la Russie, <laughs> par contre. Alors, euh... Maurras, je crois qu'il parlait de la romanisation de la Gaule, non Oui, c'est ça. Notre chère romanisation de la Gaule. Bah, Qu'est-ce qui se passe dans le printemps italien Donc, on, on, on part sur un scénario auquel on peut croire ou pas, et qui est donc que euh, le M5S décide de rester fidèle à son programme. Alors, il est allé aux élections sur un programme. Euh, au moment où j'ai écrit le livre, en tout cas, c'était le programme vers lequel il s'orientait. Euh, et qui était en gros, euh, si je résume, on fait tout péter, quoi, ou à peu près. Hein. Euh, donc euh, le M5S. Euh, donc euh, au moment où j'ai écrit le livre, les élections devaient avoir lieu en mai. Finalement, elles auront lieu en mars. L'Italie est un pays charmant. Le, tout, est, tout est à géométrie variable là-bas. C'est la loi électorale, les dates des élections. Euh, on s'arrange, on discute et puis bon, finalement on devait voter en mai d'une certaine façon. Alors on va voter tu sais, en mars d'une certaine façon. Euh, on aux municipales donc normalement qui devait avoir lieu en 2007 parce que les précédentes avaient lieu en 2001 donc c'est tous les 6 ans mmh. on a estimé qu'il y avait trop d'élections cette année-là puisqu'il y avait une présidentielle et des législatives et on a repoussé d'un an les municipales bon. et apparemment il est question de faire la même chose pour les prochaines municipales il est question déjà de les repousser d'un an donc on sait faire ça aussi ici ah oui mais j'ai pas dit j'ai pas dit que la France n'était pas aussi un pays charmant mmh. c'est c'est mais ce qui... non mais ce qui est drôle c'est le contraste avec l'Allemagne parce que les, les Allemands ils ont ils ont une constitution, ils ont des règles. Ah, le patriotisme constitutionnel. Et il faut faire fonctionner le truc. Alors ils se sont mis dans une situation avec la multiplication des, des fractions au Bundestag où ça peut plus marcher. Mais c'est pas grave. Papa Schulz et la grosse Merkel se sont mis d'accord pour que ça marche conformément au manuel. Ils sont quand même un petit peu psychorigides, ces braves gens, il faut bien le dire. Hein. J'ai rien contre eux, hein. mais vu, vu de France... C'était quand même un sketch assez extraordinaire. Alors bon, pour en revenir à, au scénario, donc il euh, donc y a des élections qui se passent en mai dans ce scénario-là, moi bon, elles ont lu en mars. Donc euh, en juin, l'Italie annonce son retrait de l'OTAN et demande le retrait des armes nucléaires américaines présentes sur son sol. Rome adresse publiquement un mémorandum à Bruxelles. L'Union européenne doit dénoncer le traité Europe-Canada et suspendre s'inédier le processus devant conduire au traité transatlantique. Elle lèvera toutes les sanctions contre la Russie et soutiendra la constitution d'un véritable État palestinien souverain. En échange... Mais c'est li... du bulge. Hein <laughs> non, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était... Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui parce que je n'ai pas suivi depuis honnêtement, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était tout simplement ce que le M5S envisageait mmh. comme programme. En échange, l'Italie acceptera de participer à une refonte en profondeur de la zone euro. Sinon, un référendum sur la sortie de l'euro sera organisé en septembre 2018. Bon, euh, dans le courant du mois de juin 2018, l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des finances européens, qui est en pratique présidé par le Conseil de, par le ministre des finances allemand, qui dit aux autres ce qu'ils vont dire, en gros. Euh, L'Eurogroupe se réunit en l'absence du ministre italien, excusé par ses pairs. Les pays d'Europe du Nord témoignent d'un curieux soulagement. Ça, je pense que c'est ce qui se produirait dans tout un Tout à fait. Temps, Alors, les Finlandais, je crois que tu cites d'ailleurs les Finlandais. Mmh. Je sais plus si c'est dans ce scénario-là ou dans un autre. Et c'est très exactement. Quand, quand on regarde les positions du parti des vrais Finlandais, ils sont exactement sur cette ligne-là. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est pas d'ailleurs de l'égoïsme. Hein. On présente ça souvent comme de l'égoïsme national, mais c'est faux. C'est tout simplement, ils ont compris que bah, le péché originel de l'euro, alors qu'il n'est pas exactement une monnaie unique, alors s'il y a des mecs de l'UPR qui nous écoutent, oui, on sait, on, ce n'est pas exactement une monnaie unique, mais pour schématiser, on va dire que c'en est une. Et on connaît François Asselineau. Et, Et on connaît l'UPR. Hein, voilà. voilà. Donc pas de problème, hein, pas la peine de nous envoyer des SMS <laughs> ou des mails. Euh, effectivement, les, le parti des vrais Finlandais estime euh, que voilà, le, les différentiels compétitifs, les, divergen les, niveaux, les divergences économiques sont trop importantes entre les pays d'Europe du, du, du Sud et notamment les pays d'Europe du Nord ou de Scandinavie pour que l'euro puisse se perpétuer, se pérenniser. Donc oui, tout à je pense que euh, sur ce point, le scénario est totalement crédible. Il trouverait un appui de ce côté-là. Voilà. Donc euh, le ministre des Finances allemand est plus ambigu. Euh, il est coincé entre une Bundesbank dont la vie recoupe assez bien celui des Finlandais et un gouvernement allemand persuadé que le maintien de l'OTAN est indispensable à la sécurité de la République fédérale. Euh, donc l'Eurogroupe décide de ne pas décider. Pour sauver la face, un communiqué appelle le gouvernement italien à maintenir les opérations de vente d'actifs publics programmées par le précédent gouvernement. Alors là, j'imagine la réponse. Alors je veux dire, en réponse, Rome annonce une vague de nationalisation. Euh, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Juncker, tente de négocier avec le président du Conseil italien, Di Maio. J'imagine que c'était Di Maio qui serait président du Conseil. La réponse de l'italien fait rire toute l'Europe, va cuver et fout nous la paix. Je pense que ça se terminera réellement comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va péter un câble et dire à, à, à Juncker et à ce genre de mec, non mais ta gueule, quoi. Mais ferme là physiquement quoi. Mmh. Je pense que ça va se terminer comme ça. Je ne sais, sais pas qui ça sera. Oui, possible, oui. Mais voilà. Donc ça, c'est ce que j'imaginais. Moi, je vois bien plutôt des gens du groupe de Visegrád faire ça sur les questions de quotas migratoires. C'est l'autre possibilité, je pense. Ouais. Ouais. Ou, ou ça sera les mecs du sud qui vont péter un câble sur l'euro, ou ça sera les mecs de l'est qui vont pé péter un câble sur le, les quotas migratoires. Mmh. Euh, je pense que le, les mecs de l'est le feront avant. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse péter la structure. Mmh. Alors que quand les mecs du Sud vont le faire, sur l'économie, sur là, ça fera péter la structure, je pense. Oui, parce que déjà, bah, les groupes du Visegrad sont pas dans l'euro. Voilà. Donc à partir de là, la spéculation se déchaîne contre les dettes des pays méditerranéens de la zone euro. La Banque Centrale Européenne est mise sous pression par une réserve fédérale qui, qui milite pour un resserrement monétaire coordonné entre les deux rives de l'Atlantique. Alors ça, c'est une problématique qui va être très importante dans les mois et les années qui viennent. En fait, le dollar et l'euro sont tous les deux en difficulté et dans les deux cas, il y a une interaction complexe entre politique intérieure, politique étrangère et économie. Le dollar baisse naturellement à cause de la dédollarisation, chinoise en particulier, ce qui arrange les Américains en réalité et qui va leur permettre probablement d'accompagner leur programme protectionniste. Mais il y a des gens à l'intérieur des États-Unis qui peuvent décider à un moment de pousser encore plus les feux sur les taux d'intérêt pour essayer de flinguer Trump. Donc il y a des motifs de déstabilisation politique. Et en Europe, il y a aussi des gens qui vont avoir tendance à foutre le bordel. La City of London, si le Brexit est conflictuel, va relancer l'attaque sur l'Europe du Sud et les taux vont se tendre. Sur les taux, hein. À l'intérieur même de l'Union européenne, je ne sais pas combien de temps les Allemands vont accepter un fonctionnement qui est quand même contraire à tous leurs principes, et comme je disais avant, ils ne sont pas connus pour leur, pour leur souplesse, les mecs. Hein. Et donc la, la, ce, qui va, ce qui risque de rendre le système difficilement pilotable par les, les dirigeants, c'est ce, ce double bordel, dollar et euro, à coordonner pour garder un euro-dollar qui est à peu près dans les clous. Et qui ne débouche sur une récession majeure ni en Europe ni aux États-Unis. C'est pas facile, hein. ça va pas être facile pour eux. Donc la, la Banque centrale européenne n'a pas de marge de manœuvre. Les taux italiens s'envolent. Alors là, je fais une hypothèse. Bon, je dis paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Italie. Cela rend son maintien dans la zone euro si improbable que tout le monde se résigne au retour de la lire. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il peut y avoir un phénomène psychologique qui peut se déclencher. Parce que là, pour l'instant, une des raisons pour lesquelles l'euro le, tient, c'est que personne ne croit à son explosion d'une certaine façon tellement c'est gros. Mais à un moment, on peut passer un cap à partir duquel les gens, les, 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 les acteurs économiques se diront ouais bon bah d'accord c'est mort. Ceci étant, Michel, j'avais l'impression qu'il y a eu il y a eu un moment où par rapport au, 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 à la monnaie grecque. Euh, on était quasiment sur, cette, euh, sur ce passage-là, psych... enfin, sur ce seuil psychologique. Il y a eu un moment, alors je serais incapable de le dater là, tout de suite, en 2018, c'était il y a quoi, il y a trois ans, enfin, au plus, au plus fort de la crise, crise où à un moment, les échos qui venaient, et je pense en particulier par, exemple, par rapport à, à fait document, hein, par rapport à ce que pouvait écrire Emmanuel Ratier, qui à l'époque était encore vivant, euh, il y avait cette, euh, ce sentiment, ces signaux qui étaient envoyés d'Allemagne. Que bon, c'est bon. L'affaire était pliée. Un retour à la drague. Ouais, ok. Voilà, le... on allait, on allait retourner à la drague, mais puis, et puis c'est tout. Mais c'était la Grèce. Et en effet, le poids économique, symbolique, était pas du tout le même. Et c'est vrai que là-dessus, je partage tout à fait ton analyse. C'est vrai que dans le cas d'Italie, on serait sur toute autre chose. Ça c'est. Bah voilà, c'est que la, la Grèce, euh, ça doit être quoi, 10% du poids économique de l'Italie, quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'on est à 2% du, du PIB européen. Européen. Voilà. C'est que, que, ouais. ça, ouais. Alors le, Donc le choc peut être amorti. Alors que l'Italie. Euh... Non. non. Euh, « À la fin du mois de juillet, pour la première fois, les sondages donnent l'Ital-Exit gagnant au référendum. Fin août, les deux tiers des Italiens se déclarent favorables à la sortie de l'euro. La Banque d'Italie commence à émettre des lires provisoires. L'agonie de l'euro entre dans sa phase terminale. » Voilà. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Alors bon, je vais pas rentrer, parce qu'après, ça serait trop long. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Non, la seule chose qu'on peut dire c'est que dans ce scénario-là, il y a vraiment une note d'optimisme. Ouais, ben bah je pense N que notamment sur la conclusion. En fait, moi vraiment, j'arrive à la conclusion que les scénarios qu'il faut souhaiter, c'est les petites catastrophes. Hmm. C'est-à-dire les petites catastrophes qui ne coûtent pas trop cher pour une qui... refondation qui... et qui ouvrent la porte à une refondation. Hmm. Le truc qui me fait le plus peur, c'est on arrive à verrouiller le machin. On tient encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, quand ça pète, il n'y a, a plus rien. Il y' a plus rien. Je pense qu'il faut essayer. Tu parlais tout à l'heure de la question de comment redonner un enthousiasme militant aux gens. Il faut leur dire voilà, il faut essayer de se préparer aux petites catastrophes, de se préparer même aux moyens de les déclencher au bon moment. Et là, on peut. De toute façon, ça va faire mal. Hein. Je veux dire, là maintenant, c'est terminé, ça on va est, faire mal. On est bien d'accord. Mais on peut. Il on peut y avoir mal et avoir mal. Avoir mal et puis rebondir, bon, c'est pas grave. Avoir mal et crever, c'est pas la même chose. quoi Le but, c'est d'avoir mal et de rebondir. Hein. Non, non, mais tout à fait. On est d'accord est... va... dans l'analyse. On va même reprendre l'étymologie. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'apocalypse, de scénario apocalyptique. Apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement. Voilà. C'est une révélation aussi d'un système qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui dysfonctionne sans cesse et qui est euh, intrinsèquement, ontologiquement vicié. Voilà. Et, euh, et je pense que pour le coup, moi, moi, un de mes espoirs, il est quand même là-dessus, il est que ce constat, il est partageable par une multitude d'acteurs. Mmh. Euh, et par une multitude de, de, de courants, d'inspirations politiques différentes. Y compris des gens qui nous sont très éloignés. Euh, et nous-mêmes, de gens, en effet, qui... Euh, alors, pour le coup, nous, nous sommes moins éloignés parce que ce qui nous distingue, je pense, quand même, de, de nos adversaires politiques... Euh, au moins de en tout cas ceux qui nous nous, nous affichent comme adversaires politiques. C'est que, nous, on n'hésite pas à, parler à un moment de, de, ce qui les nourrit intellectuellement, alors que l'inverse n'est pas vrai. <laughs> Mais, on en revient toujours à cette idée que la liberté, elle est ici, hein. Elle est quand vous écoutez Méridien Zéro. Elle est pas quand vous allez écouter, comment ça s'appelle leur truc? Le média. Le média. Oui. Voilà, le média. Oh, c'est très euh, mauvais. Ouais, bah, J'y suis allé encore très, très peu. Ah, c'est euh, en Enfin, vraiment, justement, j'espérais quelque chose d'intéressant. Bah, on ne fait. C'est calamiteux. Ouais, on ne fait pas une bonne littérature avec des bons sentiments. Ouais, ouais, c'est calamiteux. Euh, donc la liberté elle est ici, <laughs> elle est sur cette antenne, Alors euh, cette antenne qui est limitée, hein, on, a, on a toute l'humilité possible du, du monde, euh, réelle, hein, pas, pas feinte, mais il n'empêche, euh, on, clairement on a, on a des choses à partager avec ces courants-là et avec leur analyse en effet du, du monde actuel, et je pense qu'on a une majorité en effet à considérer que c'est plus tenable euh, alors, après, les, les remèdes peuvent être un petit peu euh, pensés différemment, mais, mais c'était plus tenable. Donc, euh, je, de mon point de vue, ça, moi, ça nourrit mon, mon espoir militant, hein, bien sûr. Moi, je me pose une question, c'est euh, peut-être un petit sondage. Après, quel est le. Donc, on a vu le scénario 4, ok, ça, ça convient. Enfin, c'est le plus optimiste. Quel est la, le pire scénario, en fait On enlève la guerre, euh, la guerre nucléaire totale où tout le monde meurt. Quel est le scénario, peut-être, le pire, le plus attristant, ou celui. Bah, la mort ah, douce, c'est bien sûr la mort douce. La mort douce, c'était la mordouce. Mais moi, ce n'est pas la mort douce qui m'a le plus attristé. Il y en a qui m'a vraiment attristé. C'est celui où la catastrophe a servi à rien. Quoi. Et moi, celui, celui qui m'a attristé, c'est, euh, je crois, c'est le 6. Et à la fin, il y a l'Europe qui est coupée en deux. La France qui, se, qui va vers le milieu atlantiste et l'Allemagne qui, qui se tourne vers l'Est. Et oui, c'est la, alors... en fait, la mort de l'Europe. C'est-à-dire, en fait, c'est la mort de, de l'espoir européen. C'est vrai, quand même, certainement... de Roubachov. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a connu pendant 50 ans. Alors, bien sûr, les, les jeunes générations, euh, qui nous, celles qui nous écoutent et celles qui ne nous écoutent pas. Le scénario 6, c'est euh, ouais, les jeunes générations n'ont pas connu ça. Donc, c'est vrai que ça peut être euh, particulier pour eux. Euh, on fait partie d'une génération qui a encore connu ça. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, finalement, le, le retour, et de ce point de vue-là, je. Je, je pense que c'est un des scénarios qui serait possible aussi. Euh, on peut, Michel peut m'interrompre euh, s'il si pense que non. Euh, mais qui est défendu par exemple par, euh, par des gens autour de, de Gros Souvres et tout ça. Le retour à une Europe carolingienne. Euh, qui ne serait pas le, le pire des scénarios, très clairement. Je ne crois pas que ce soit celui-là. Hein, celui-là, c'est vraiment. La France oui, qui, oui, qui, mais... qui tombe dans l'orbite atlantiste et l'Allemagne qui... Oui, oui, qui... bon. j'ai bien... Et ce est ce qui est le contexte de la guerre froide. Ouais. Mais à partir de ce scénario-là, on pourrait imaginer, en effet, un recentrage sur une Europe qui ne soit pas oxy... qui soit occidentale géographiquement, mais qui ne soit pas occidentaliste ou qui soit occidentalisée. Euh, comme c'est, en effet, le scénario de Michel sur, un, une en gros, une, une satellisation atlantiste... Euh, bon. Oui, ce que tu dis ouais. en le retour à une Europe carolingienne celui-ci c'est le scénario triste pour moi alors évidemment 1, 2, 3 c'est euh, la défaite <laughs> bah, je, vais, je vais lire un très bref passage là, du, euh, du scénario la mort douce donc c'est un passage en italique donc euh, les passages en italique c'est généralement des passages où tu fais des incises où, en fait où tu commandes ton analyse euh, on va, alors prédiction, prévision on met les mots qu'on veut euh, évidemment pas prophétie hein, mais <rire> <rire> non, mais Michel ne veut pas de fan, donc pas de prophétie. Pas de prophétie. Ah non, surtout pas. Alors non là, surtout pas de fan, ouais. bah Surtout que je sais pas si tu sais, mais à la fin, en général, le prophète, on le crucifie donc... Euh... <laughs> ouais, moi j'ai ouais. vu la vidéo anniversaire, donc... Euh... Moi, ça serait, ça serait très moche, <laughs> je glisserais sur la croix... C est, c est... Non, 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 non. Donc, je lis le passage, le bref passage, là, sur le scénario de la mort douce, pour que les, les auditeurs se fassent une petite idée. Le scénario de la mort douce est un scénario de stabilité planétaire. Entre 2017 et 2019, le, le monde finit de se remettre de la grande récession de 2008-2011. À partir de 2020, une nouvelle récession commence. Mais elle est gérée aussi bien que possible sur le plan purement technique. Les élites mondialisées sont relativement intégrées, elles font collectivement le choix de la paix. Les flux migratoires ne diminuent pas, la démographie de l'Afrique, du monde musulman et du sous-continent indien étant ce qu'elle est. Mais ils n'explosent pas non plus. Et on n'assiste pas à la réédition de l'opération Migrant de 2015. Dans l'ensemble, ce scénario de stabilité voit donc la continuation des tendances préexistantes. préexistantes. L'islamisation d'une partie du territoire français n'est pas interrompue. Le salafisme continue à prospérer. Les contradictions de la politique musulmane de la France sont de plus en plus voyantes. Voilà, donc ça, c'est le scénario joyeux. <laughs> que je considère comme le plus probable, hein, quand même, ouais, il faut le dire. -ce hein. qu mal malheureusement qui est malheureusement. Oui, très probablement. Pour le coup, le plus probable. Ah, alors, tu, con tu considères pas que l'éclatement le, de l'euro est si euh, inévitable que ça, parce que, que l'éclatement financier. Euh, je crois que j'ai dit d'ici à 2022, 40% de chances pour que ça éclate. Ah, d'ici à 2022, oui. Mais à terme. Ah bah à long terme, de toute façon, je veux dire, c'est pas compliqué. Euh, Citez-moi une union monétaire dont l'issue n'a été ni la constitution d'un État unifié, ni l'explosion. Bah, on n'a pas d'exemple, en fait. Ouais. Finalement, c'est la mort douce jusqu'en 2022. Après, euh, cette, ce scénario de mort douce, il peut pas tellement continuer, puisqu'après, il va se passer des choses terribles, a priori. Qui... À un moment, oui, mais je pense qu'en gros, que plus on attend, pire ça sera. Quoi. Mmh. Ouais. Sur, en encore sur... quelques minutes ou pas Ouais, ouais peut... un tout petit peu. Ah, un petit conseil, ouais, -y, ouais, une lecture, non, juste, Il hein. euh, y en a un qui est très intéressant aussi, moi, qui m'a vraiment particulièrement intéressé, c'est le scénario 7, la découverte de l'Europe. Donc, si tu peux en dire quelques mots brièvement. Bah en fait, c'est le scénario euh, qui est euh, en partie euh, inspiré par euh, Guillaume Fay. Donc, euh, bon c'est un scénario à très faible probabilité, bien sûr, parce qu'il suppose un concours de circonstances assez exceptionnel. Donc, euh, il, y a, euh, il y a une crise financière majeure. Bon, ça, c'est très possible d'ici 2022. Mais en même temps, il va y avoir une anomalie climatique majeure aussi. Ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Ça, et donc on va voir un peu ce qui s'est passé déjà en 2010 avec la grande vague de chaleur qui avait fortement fait baisser euh, la production céréalière dans une partie de l'hémisphère nord et en particulier en Russie du Sud et en Ukraine. Euh, phénomène qui a joué un rôle dans les printemps arabes, même s'ils ont été instrumentalisés. Euh, en 2008, euh, oui, ça a joué un rôle capital, ouais. Ben voilà, la hausse du prix des céréales, etc. Donc là, il se passe la même chose, mais au carré, quoi. Ça, plus la crise financière, on a en gros une vaste zone, euh, on va dire, euh, l'essentiel de l'Afrique, le Moyen-Orient, euh, qui euh, bascule au minimum dans la disette et largement par de vastes zones dans la famine. Et on a euh, tous les pays, en fait, en dehors de ça, qui ne sont pas sur des des taux d'autosuffisance alimentaire importants qui euh, ont de très sérieux problèmes et qui basculent, bon, au pire dans la disette. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à la famine en Inde ou en Chine, mais on a quand même des fortes tensions sociales et ça a des conséquences très lourdes sur la, la capacité de ces de, de ces États à, à fonctionner normalement. Et donc dans ce contexte-là. Euh, on a des flux migratoires gigantesques qui se déclenchent. C'est l'exode biblique. biblique, quoi. Et donc, ces flux migratoires vont nous valoir une réédition de ce qui s'est passé en 2015, sauf que cette fois, il n'y a pas euh, 2 millions de migrants, il y en a des dizaines de millions. Voilà. Donc là, à partir de là, bah, j'essaye d'imaginer un peu ce qui peut se passer, donc... Euh, en gros, euh, donc j'imagine que le, la Turquie euh, submergée, ne pouvant pas arrêter à ses frontières les flux migratoires, va se transformer en, en un bélier qui qu'on va essayer de, de que le monde musulman en fait va essayer de lancer sur l'Europe pour ouvrir la porte, pour faire passer ces migrants. Donc il va y avoir une guerre entre la Turquie et la Grèce. Ça va être le point de départ de, euh, de quelque chose qui euh, qui peut ressembler à une renaissance, mais qui en même temps est absolument euh, terrible. C'est-à-dire que il euh, y a des, des guerres civiles larvées qui éclatent un peu partout en Europe. Il euh, y a une expulsion euh, sanglante de populations musulmanes de certaines zones. Alors ça a l'air d'être de la science-fiction, mais quand on écoute un peu autour de nous, euh, où on sent très bien monter l'exaspération le, maintenant du bah, du petit blanc en gros euh, qui n'en peut plus euh, et on sent très bien que euh, attention euh, si jamais on était dans un contexte comme ça euh, on pourrait on pourrait avoir des choses assez assez sales qui se produisent alors bon bah... À partir de là, euh, j'imagine, je m'amuse un peu aussi. Il y a un certain humour noir. Attendez, je vais lire un passage parce que ouais. j'aime bien. Tu en dire, fait, c'est moche parce que c'est la Renaissance sur un grand charnier. Bah, mais... Non, mais pendant que tu cherches, Michel, euh, je Ça, pense qu'en effet, les aille, hein. la, la les seule aille. chose, la seule chose qui fait que on n'est pas déjà souvent sur ce, ce cas-là, c'est qu'on a un état encore euh, stable, euh, assez bien, euh, euh, on va dire enraciné, qui fait que n'importe le, le, le cuidam moyen français. A peur du, du retour de Manivel avec la loi et donc la prison. Euh, si à un moment l'État, à un moment ou à un autre, s'affaiblit, euh, et s'effondre. Pour nous, parce que c'est déjà le cas. Je, je, je lisais euh, bah, ce que tu m'as fait suivre, ce que tu nous as fait suivre, Maurice. Euh, sur un moment, l'application donc qui, qui émane de, de Xavier Hoffer. Alors pour lequel j'ai pas, j'ai pas de sympathie particulière. Hein, parti, par ailleurs, les, les auditeurs le connaissent peut-être. C'est un quelqu'un qui c'est un criminologue bon qui est, qui est issu de, de de notre génération précédente de, de militants nationalistes alors avec ses bons et ses mauvais côtés bon euh, mais à un moment il renvoyait quand même un, un, un diagnostic sur l'état actuel de la justice en France qui en effet bah, est celui d'une impunité quand même très largement totale pour certains quartiers, pour certains individus, pour l'instant, cette impunité, elle ne, elle ne s'applique pas à nous-mêmes, d'accord Elle s'applique pas, en fait, à ce qui constitue le, le substrat de, de la population française. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, une bonne partie de, de nos compatriotes euh, hésite à franchir le pas. Si un jour, l'État s'avère faible aussi pour nous, je pense qu'à ce moment-là, en effet, on arrivera sur des choses nettement plus sales. Là-dessus. Là euh... Voilà. Donc, dans ces dans ce scénarios-là, on va jusque là. Alors. Le, non, le passage que j'aime bien... Parce Parti que de la page 188, 189. Et la conclusion, moi que je trouve euh, très encourageante par contre, euh, page 190. Oui, parce qu'à la, à la fin, bon... Euh... De quelque chose de terrible émane euh, un véritable espoir, en fait oui, une véritable je, espérance. Je vais lire quand même le passage que je trouve rigolo. Donc euh... À partir de 188. Attends, attends, je, je commence, si tu permets, je commence par le... le, le, le... Non, je prends le passage, je zoome sur le passage qui est marrant. Quoi. La Turquie, toujours formellement membre de l'OTAN, répond en invoquant à son tour cet article. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est assez rigolo. Enfin, en Les cas articles de... 5. En, voilà, en, en cas de guerre gréco turque c'est que les Grecs et les Turcs disent chacun, comme on est membre de l'OTAN, bah les... Voilà, bon. Euh... Dans plusieurs pays européens, les diasporas turcs entretiennent une guérilla de moyenne intensité. Méthode de prédilection, l'assassinat politique. Ça, les, attention, les, on a beaucoup de Turcs en France maintenant. Et attention, les Turcs, ce pas des Nord-Africains. Leurs capacités d'organisation ne sont pas du tout négligeables. Et ce pas des gens euh, à traiter à la légère. Qu'ont hein. fait euh, les, les trois militants de Kurdes abattus en plein Paris euh, Très probablement par le MIT. Voilà. Et donc là, j'imagine qu'ils abattent Patrick Devedjan. Je vous laisse deviner pourquoi. Euh, Jean-François Copé, au passage, comme ça. Parce que j'avais envie, hein, dans le... Oh bah, tiens, Copé qui passait par là. Ah oui, c'est oh. pas copéant Non, mais c'est pas grave. Bon, allez, allez, bon, il était là. Bon, bon. Et Florian Philippot. Alors pourquoi, pourquoi je leur fais tuer ce prof Florian Philippot Parce que ça m'amusait, à la fin. Euh, donc euh, Macron est toujours président, mais il y a eu, avec tous ces événements, en fait, il y a eu une alliance entre des républicains très 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 droitisés et un néo-FN marion maréchalisé qui s'est constitué, qui est arrivé au pouvoir. Et Macron s'arrange pour ne jamais échanger avec son nouveau ministre des Affaires étrangères, Nicolas Bay. Mais les événements de Trace, donc la guerre entre les Grecs et les Turcs, font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Il parle de la défense de la civilisation occidentale. C'est un bon communicant, hein, il saura gérer le tournant. Dans sa bibliothèque, Finckel remplace Attali. Hop, c'est fait. Finalement, aux obsèques de Florian Philippot, il serre la main à Nicolas Bay. <laughs> bon, c'est bête, c'est méchant, mais moi, ça me fait rigoler. <laughs> Allez, au lit. Oh ben, attendez, il faut lire la suite. Mais les événements de traces font basculer l'histoire européenne. Macron le sait. Donc voilà, il parle de la défense de la civilisation occidentale. Dans sa bibliothèque, Finky donc remplace Attali. Finalement, aux acceptes de Philippot, il sert donc la main à Bay. « La petite guerre turco-grecque sert de détonateur au conflit entre populations indigènes européennes et immigrés musulmans. Des centaines de milliers de Turcs quittent l'Allemagne où les pogroms sont quotidiens. La vague de violences xénophobes qui déferle sur l'Europe est monstrueuse. » Bon, ça, c'est Michel. Hein. « Les populations d'origine extra-européenne rentrent, rentrent la tête dans les épaules. Floraison de drapeaux français dans les villes de Seine-Saint-Denis. » La... Ouais, bah ça on verra. Hein. Oui, je, je suis dubitatif aussi, mais bon. La grande spoliation a lieu comme dans le scénario du même nom. Ah oui, Ça, ça c'est un autre scénario de, de l'ouvrage, mais cette fois c'est au nom de la défense de l'Europe. Le reset financier donc paradoxalement facilité. Bon alors je vais sauter le paragraphe qui suit et en venir euh, au dernier paragraphe. paragraphe et alors bon, par contre la conclusion qui à mon avis est en, est encourageante, c'est l'Europe a enfin trouvé une définition. J'ai une bonne chose. Une Définition simple, directe, compréhensible par tous l'Europe est le sanctuaire de l'homme blanc, oui, oui, surtout euh, si on, on voit par ailleurs l'évolution de nos, nos cousins nord-atlantiques. Non, mais de toute façon, je pense que ch chacun arrivera à, à tirer des, des fils et des, et des motifs d'espérer de, dans, dans les scénarios élaborés par, par Michel, même les plus noirs en tant que tels. Euh, après, voilà, je pense qu'il faut renvoyer chacun. C'est un une une prospective possible. Ce sont des scénarios qui sont à croiser, euh, qui sont à à prendre. Euh, moi, moi, la partie euh, la, la partie la plus efficace entre guillemets du point de vue militant, c'est en fait tout le, le diagnostic euh, que Michel livre sur cette année 2017 qui vient de qui vient de s'écouler. Oui, sur euh, voilà, c'est ça, sur sa sur sa phase électorale, euh, sur sa séquence électorale. Euh, ça donne en effet un certain nombre de, de points d'accroche, de d'idées d'action. Et puis après, ben bah, il y a, y a ces scénarios qui sont des, des possibles à, à venir sur les cinq ans qui viennent. J'ai envie de venir, euh, rendez-vous dans cinq ans. Bon, bah, de toute façon, une chose est certaine, euh... on sera encore là. Ah ça. <laughs> si si. Méridien zéro est quand même dans une dans un local tels que le feu, l'inondation ne nous ont pas abattus. Et je pense que dans cinq ans, nous serons encore là. On a cinq ans pour trouver un générateur électrique pour faire tourner la bécane. On va c'est plutôt au raid plutôt bouger hygiène ah, comme bah ça. Oui, ouais, bah, <laughs> après il y aura peut-être plus personne pour nous écouter parce que le internet se sera effondré et, euh, le système global sera tombé ça là-dessus on est bien d'accord par contre le studio sera là mmh. nous serons là euh, mmh. avec notre saucisson et on verra, on verra Maurice faire une sortie kamikaze <laughs> oui, les bras fraîchés dans le dos attaquer la police ce qui est absolument <laughs> essentiel, c'est que le pinard, le saucisson et le fromage soient là. Ah ben bah, bien sûr, c'est la base. Ces points, ce point étant assuré, Tout à fait. je suis prêt à assumer n'importe quel apocalypse. Bon, bah, euh, ça va alors. Mais pas, mais euh, par contre en état d'ivresse. Hein, oui, nécessaire. oui, non, non, bah, bien ouais. sûr, hein, il faut, il faut pouvoir supporter. C'est les, c'est les berserkers. Euh, <laughs> donc euh, non, mais nous conseillons quand même à, à tous nos auditeurs et auditrices de, de se procurer le livre, ne serait-ce que parce que la couverture est quand même la rente enfin moi mes, mes enfants l'ont vu et euh, c'est vrai qu'ils ont bien rigolé c'est du du handy warhol <laughs> je pense... Joker, là, je pense voilà oui un oui Genre. oui c'est du Andy warhol appliqué donc à macron ça donne euh, quelque chose qui est euh, en couleur est très réjouissant qui, euh, qui donne un petit peu une une idée de, de toute la de tout ce que de tout ce qui explose dans ce livre euh, en termes d'idées etc euh, moi je pense que mon portrait préféré c'est celui au milieu à gauche cette petite couleur jaunâtre auquel je renvoie tous les auditeurs, qui je trouve colle le mieux possible à ce qu'est Macron. Voir Macron, c'est voir ce portrait-là, là à gauche, <laughs> le jaune. <laughs> Donc euh, après, chacun se fera une sur idée. sur fond mauve. Ouais, jaune sur fond mauve. Tout à fait. C'est vraiment, c'est ça. Bon, il manque le petit côté peut-être un peu arc-en-ciel derrière. Enfin bon, après, je... <laughs> je rentre pas dans les détails. <laughs> hmm Mathieu Gallet en arrière-fond. Oui, avec Mathieu Gallet en arrière-fond. Enfin, Mathieu Gallet, feu Mathieu Gallet. Mais. <laughs> feu, Mathieu Gallet. <laughs> enfin, feu président de. Bref. Voilà. Euh, Michel, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie. Euh, J'espère qu'on a donné envie de, de lire l'ouvrage à, à nos auditeurs, qu'ils aillent voir ce livre de Retour aux sources. Le Retour aux sources euh, bah, qui continue sa production un, enfin dynamique et bon, voilà. Euh, le plus. Si, chaque fois que nous pouvons, nous invitons en fait les, les auteurs à, à venir en, en parler. Euh, tu es un habitué et donc euh, j'espère que nous nous te reverrons bientôt. Voilà. Et pour un vrai fou rire alors moi je conseille vraiment de s'arrêter sur les pages 112 à 116. D'accord. Là, -là, Très bien. Et ben j'espère que ah, les J'ai eu te des rire tout seul dans okay. mon pieu avec ma femme qui me demandait ce qui m'arrivait. Donc... <laughs> Ok, très bien Merci Michel, à bientôt Merci. Et puis, bah, comme à l'habitude hein. À l'abordage Et pas de quartier C'est la mer des batailles bat bat Un nouvel, bat 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 nouvel angle local En France aussi, naturellement En Europe et en France placé placer systématiquement À tout niveau Mais qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'en bon, Un nouvel ordre mondial. Nous allons vers ce nouvel ordre mondial. Dans mon couteau, dans les dents. C'est ce que nous, c est c est que nous sommes en de train de, de, de ré réussir. À la fin, quelqu'un paye l'addition. Ce sont vous et vos enfants qui vont la faire la même qu'elle. Le monde est un nouvel ordre mondial. Nous sommes en masse. Vers ce nouvel ordre mondial année, année, année euh, sur C'est grâce à la Commission européenne que nous pouvons aboutir à ce résultat. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. C'est si. la même guerre Le monde est instable. Avec, monde. avec de nouveaux visages. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit. À l'audace, cette pyramide. Ah, sur la sortie de, de l'État de droit. Il va falloir vous y faire. C'est effectivement Emmanuel hey, Le Pen hey, et ses hey, amis. Un nouvel ordre mondial. Oui monsieur, oui je le dis monsieur, je l'affirme. À tous et à la Souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. avec le souverainisme. Le monde est un nouvel ordre mondial. Nous sommes en mort le nôtre C'est justement ceux qui ne ce sont pas Charlie qu'il faut repérer. Traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté. Morale. Morale. C'est aussi une réponse à ce que vous portez. Non, non. On ne sait pas, un dialogue. que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu euh, et entendu et écouté plusieurs des dirigeants euh, d'autres planètes qui euh, sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va euh, euh, poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de euh, plus euh, loin. Je vous, je, vous je, vous je, vous je vous protégerai De quoi De l'ennemi de, que, de quel voilà, exactement. Je protège, je protège. La République, la République. Tu ne me protège pas, de protège protège pas De quoi <laughs> Universel, universel, universel. Les somnambules Les, les, les bâtiments d'universel Ronde à eux Et ces espèces de vignobles Pas de Père Noël Pas hein, de Père Noël, pas hein, de Père Noël hein, votre chef, Mignot. dans une gare. Pardon Quand je pense qu'il y a des gens qui le croient.